Et le stream est activé, donc bonsoir, bon retour, bienvenue sur le Royaume du Bayou pour la suite des aventures d'un groupe qui est, rappelons-le, en assez mauvaises circonstances. Parce que pourchassé par la loi, pourchassé par la population, pourchassé visiblement par des entités surnaturelles, pourchassé par la malchance aussi, pourchassé par des mauvais jets de cordes, pourchassé heureusement pas par des blaireaux, ça a été évité, pourchassé par une loutre qui semble avoir disparu, pourchassé par beaucoup de choses tout de même, ça commence à faire beaucoup de poursuites, je sens comme une thématique un peu récurrente. Pouvez-vous s'il vous plaît, très chers joueurs et joueuses, me rappeler un petit peu les circonstances qui vous ont amené de manière succincte à la situation présente. Où vous trouvez-vous? Comment y êtes-vous arrivé? Et non, très haut, voilà. On ne va pas wipe le groupe. Ouais. Mais il attend que ça, lui. Oui, non, mais très haut, il a qu'une envie, c'est que les groupes wipe. Bref. Peut tenter un résumé et les autres peuvent compléter au fur et à mesure si besoin. Ça sera très bien. Pardon. Alors, on a commencé la dernière partie en étant séparés, sachant que Rumil était ailleurs et nous, on s'était tous retrouvés ensemble. Donc, le jour commençait à poindre. On avait encore Irlinon baïonné et contisiné avec nous. Donc, quand je dis nous, c'est Otto, Ferod, Findulas. Donc, on était dans une... pas dans une auberge, mais dans une ferme qu'on connaissait bien, la ferme Etherto. On était à côté, on avait décidé d'en partir. Donc on avait décidé de partir vers l'ouest pour trouver les Galgal qui étaient contrôlés par les, enfin qui sont contrôlés par les rôdeurs. L'idée était effectivement de trouver les rôdeurs pour avoir un soutien. Pendant ce temps, elle, Rumil, elle était dans la forêt, à l'abri, et elle a rencontré des elfes libres, qui se promenaient et parlaient le Noldor. Donc, assez curieusement, mais voilà, elle les a rencontrés, ils l'ont pris sous son aile, ils l'ont invité dans leur campement, et elle s'est un peu requinquée pour une nuit, elle leur a raconté ses aventures. Pendant ce temps, donc, Findulas, Otto et Féarod ont décidé de traverser les Galgal alors que le jour commençait à tomber. On a passé la porte du prince qui ouvrait sur le haut des Galgal, toujours dans l'idée de trouver les rôdeurs, et on s'est retrouvé à passer un étang noir et à tomber à l'eau, en tout cas en ce qui me concerne. Féarod et Restrel se sont retrouvés dans l'eau. Féarod, en tout cas, a été jeté à bas dans l'eau sombre. Avec des formes humanoïdes tout autour de moi qui essayaient de m'attraper et de m'attirer dans les fonds. Je n'ai pas forcément reçu d'aide alors que j'essayais de me débattre et finalement, je me suis pris... Disons que la fatigue d'essayer de me débattre, de glisser de nouveau dans l'eau, puis de me prendre une corde dans la tronche lancée par Finvillas, puis de retomber dans l'eau, etc. J'ai fini par sortir de l'eau en étant un peu fatiguée. J'ai réussi à atteindre Restrael qui était sur le bord de l'eau et qui m'a hissée en dehors de l'eau. Et Restrael étant... de peur a décidé de prendre le grand galop et de foncer vers les Galgal, de s'enfoncer dans les terres des Galgal. Je sais pas si les autres veulent compléter ou si je continue. Est-ce que tu veux qu'on explique pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? ça pourrait être pas mal de manière succincte. Qu'est-ce qui vous a amené dans les Galgal au beau milieu de la nuit séparés? Trouver les rôdeurs, ouais. Ce que je disais, c'était trouver les rôdeurs, essayer de trouver Rumil, mais surtout de potentiellement, en tout cas, d'indiquer qu'on cherchait un de nos compagnons, mais avant tout aussi expliquer ce qui s'était passé avec Malor. Avec comment il est mort, en fait, et qu'on était en train d'enquêter, et que finalement, c'est pas très très bien passé, qu'on était pourchassés, et qu'on avait Irlinon potentiellement dans les personnes là que... Dans nos otages, pardon.
On avait Erlinone en otage et qui avait potentiellement quelque chose à voir avec la mort de Malor. Donc, n'ayant pas réussi à voir, je ne sais plus comment elle s'appelle. Berelas, c'est ça, ouais. Berelas. Comme on n'avait pas réussi à choper Berelas, qu'elle s'était enfuie et qu'on avait que Erlinone, on s'était dit, bon, on va le remettre au rôdeur, expliquer ce qui s'est passé et laisser en gros se démerder pour retrouver Berelas et voir. Sauf que Erlinone a coulé en même temps que moi, sauf que moi j'ai réussi à me débattre et à sortir de l'eau sombre, de l'étang noir, alors que lui a coulé comme une pierre et on l'a pas vraiment revu. En même temps, il faut reconnaître une chose, c'est que nager quand tes pieds et poings liés, c'est compliqué. Bah, c'est un détail. Mais du coup, Ouais. voilà, c'était un peu un fail jusque-là. Donc Irlinon a coulé, moi j'étais bien fatiguée, je pars du coup sur le dos de Erestrael qui court vers les Galgal. Otto et Findulas, eux, essayent de... Vous avez d'abord essayé de courir à ma suite, c'est ça? Et finalement, quand vous avez vu que ça bougeait un petit peu autour, vous avez décidé de redescendre. Et quand vous avez vu que j'allais me faire probablement attaquer, vous êtes revenu vers moi pour essayer de m'aider, puisque j'avais perdu mes armes dans l'eau avec les formes humanoïdes qui m'ont tiré mon épée et ma dague dans l'eau. Donc je me suis retrouvée uniquement avec mon arc. Du coup, j'étais sans défense avec un cheval un peu apeuré, on va dire. Donc vous avez décidé finalement de me prêter main forte quand vous avez vu les formes se rapprocher de moi au fur et à mesure. Et c'est là que finalement un rôdeur est apparu et a dézingué toutes les formes un peu bizarres qu'il y avait autour de nous. Donc c'était des morts-vivants et des espèces de loups de mémoire. Effectivement, des sortes de loups corrompus. C'est ça, des loups corrompus et des morts-vivants armés qui avaient surgi au fur et à mesure autour de nous, notamment autour de moi. Et finalement, le rôdeur est arrivé au bon moment. Donc c'était Aldaran, le cousin de Findulas, qui nous a sauvés un peu in extremis. Voilà. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à ajouter. Effectivement, on s'était arrêté sur le Voilà. moment où Evinvillas avait reconnu en votre sauveur son cousin, justement. Et Otto cherchait sa loutre. Et Otto Tout à cherchait fait. sa loutre, Et Rumil, ouais. que faisais-tu pendant ce temps? Ouais. Moi, j'étais en train de parler avec une troupe d'elfes vagabonds que j'ai croisés sur le chemin en direction de l'ouest. Je sais plus exactement où est-ce que je me dirigeais, mais j'essayais de rejoindre. Il n'y a pas la map. Tu te dirigeais vers l'ouest, effectivement. Tu étais en gros ici et tu te dirigeais vers l'ouest. Ah, attends, t'es peut-être encore sur la carte du Gondor. Oui. Ouais, je suis sur la grande Ouais, j'avais oublié de te remettre ici. carte. Ok. Ouais, du coup, j'étais. Je crois que j'étais ici à peu près. Avec les elfes. Ils étaient pas Plus ou moins, loin. oui. Et puis là, j'ai essayé en fait de littéralement rentrer chez moi à Midlond. Parce que j'ai absolument plus rien sur moi. Et je suis seule à côté des Galgal. Enfin bon, c'est pas une situation rassurante, surtout que quand on est poursuivi parce qu'on est inculpé de meurtre alors qu'on a tué personne. Alors, Potentiellement. techniquement, c'est pas que vous avez tué Techniquement. personne, c'est que vous n'avez pas réussi à sauver quelqu'un. Et d'ailleurs, le fait que vous n'ayez tué personne, c'est faux, puisque vous avez On tué n'a pas Irlinone. réussi à sauver. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est un meurtre involontaire. Oui, la distinction est subtile, il faut le reconnaître, mais elle est là. C'est même pas un meurtre, c'est... Je sais pas comment on appelle ça. C'est C'est un homicide. Un un homicide dommage involontaire. Une erreur collatéral. médicale. Oui, une erreur médicale, voilà. Une C'est erreur médicale, voilà. ce que l'erreur médicale, ça peut vite devenir Meurtre un par homicide omission. involontaire. En l'occurrence. Très bien. Donc effectivement, toi, tu étais avec cette compagnie d'elfes. Et tu avais, après avoir pris du temps pour te reposer, essayer un peu d'éclaircir les esprits sans véritable succès auprès d'eux, tu avais décidé de les accompagner dans leur route vers l'ouest, te disant que voyager en compagnie, c'était peut-être une meilleure idée que de voyager seul,
D'une part, vu la région dans laquelle tu te trouvais, d'autre part, vu ton propre état mental. Ouais. Nous allons reprendre donc sur Finduilas. Finduilas, tu viens de reconnaître, en la silhouette de votre sauveur encapuchonné, ton cousin qui rengaine son épée, non sans l'avoir au préalable essuyée dans la fourrure de l'une des bêtes qu'il vient d'abattre, et se dirige vers toi à grandes enjambées. Tu le connais bien, il est un petit peu plus vieux que toi. Normalement, tu dois avoir accès à sa fiche, si je ne me trompe pas. Je viens de te l'afficher. Je pense que je l'ai retrouvé. Très bien, il se nomme Aldaran. Il est légèrement plus âgé que toi, mais pas de beaucoup, de peut-être 3 ou 4 ans. Et il est en poste à Tirngorfad. Comme beaucoup de rôdeurs, il n'est pas là parce qu'il a demandé cette affectation, mais parce que bah, c'est celle qui a été décidée pour lui. Il tente de faire contre mauvaise fortune bon cœur, et depuis qu'il a été affecté à Tirngorfad, tu l'as pas trop revu. Tu te souviens que de vous deux, c'était clairement lui le meilleur combattant, et tu te souviens d'avoir pensé que c'était très certainement pour ça qu'il avait été envoyé là-bas, parce que bah, de toutes les garnisons des rôdeurs, c'est celle qui connaît le plus régulièrement de combats, et donc où il y a besoin vraiment de combattants de talent. Ce qui est compliqué, parce que ça mène à la situation où t'as parfois des rôdeurs qui sont de très bons guerriers et qui le cachent pour ne pas être envoyés à Tirngorfad. C'est pas courant, mais ça arrive. Et t'avais été très contente, soulagée même si tu ne l'aurais jamais dit de face, de savoir que c'était lui et pas toi qui avait été envoyé à Tirngorfad, parce que c'est, on le sait, une affectation de merde. Tu l'as pas trop revu depuis son affectation, et tu te demandes un peu dans quel état tu vas le trouver, parce que la garnison de Tirngorfad, la garnison donc des Hauts des Galgal, est connue pour changer les gens. Les rendre plus sombres, plus taciturnes, plus maussades, plus dangereux, d'une certaine manière, si l'on veut. Ça fait pas très très longtemps qu'il y est en poste, ça fait à peine plus de 2 ans. Et tu te demandes si, eh bien, en 2 ans, ça suffit à changer quelqu'un ou non. Toi, t'as souvenir de quelqu'un d'assez joyeux, pas forcément toujours enclin à comprendre les plaisanteries, mais une fois qu'il les comprenait, une fois qu'elles lui étaient expliquées, c'est prompt à rire. Du coup, il se dirige vers moi, c'est ça ? Il se dirige vers toi, effectivement, vous êtes à quelques mètres de différence. Vu la manière dont il se dirige vers toi, il a l'air d'être soit pressé, soit énervé. Sachant que j'ai Otto à côté de moi et que Féarod est toujours sur son cheval à essayer de... Tout à fait. De ralentir sa course, c'est ça ? C'est ça. Non, j'avais déjà ralenti sa course. Voilà, c'est... Féarod est toujours sur son cheval, mais il avait fait demi-tour et il est en train de se diriger vers vous au pas. Je vous avais même dépassé d'ailleurs. J'avais foncé vers le bas de la colline et je vous avais dépassé. Et s'il n'y avait pas eu à un moment donné ce qui s'était passé derrière, donc le sifflement de rôdeur, etc., qui aurait attiré mon attention, j'aurais probablement continué et fui les Galgal en vous laissant derrière. Fait. Sachant que tu avais abattu l'un des loups d'une flèche. Rappelons-le, tu t'étais quand même battu avec succès. Ouais, je m'étais battu avec succès, mais je m'étais barré, voyant que bah, de toute façon, enfin, c'était en pleine course. Ça commence à devenir compliqué. Ouais. Très bien. On finit là, du coup, moi, je vais vers Eldaran. Mm-hmm. Je vais à sa rencontre. Fais-moi un geste, s'il te plaît, de courtoisie. Courtoisie plus esprit. Oula. Je sens l'échec critique et je vais, première rencontre, je vais me mettre à l'insulter, ça va être génial. Non, c'est pas pour ça, c'est pour savoir si tu... pour savoir qui parle en premier, tout bêtement. Alors. Il va t'engueuler d'abord, ou si tu veux dire, c'est un peu ça, oui. Exactement. Si tu vas pouvoir le prendre de court ou pas. Courtoisie plus esprit. Très bien, ça fait 20. Donc effectivement, tu le vois qui se dirige vers toi. T'as un moment de doute et puis t'es à peu près certain que, vu la colère que tu lis sur ses traits sombres, tu distingues à peu près son visage en dépit de l'obscurité. Il a pas l'air d'être, comment dire, de t'avoir reconnu. Au contraire, t'es à peu près certaine qu'il se dirige vers toi pour te morigéner, jeune chenapan. D'accord. Bah du coup, je lui dis Araldan, c'est moi, c'est Finduilas. Aldaran, si tu l'appelles Araldan, ça va l'insulter. Tu as dit quoi ? T'as dit Araldan. J'ai du mal avec les prénoms. Aldaran. Ça
salut Francis, ça va? Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Je lui ai dit que j'étais Finduelas, a priori. Je me suis pas trompé sur mon nom aussi? Non, effectivement, mais c'est pas ça qui semble l'avoir retenu. Très bien. Finduelas, que faites-vous ici? C'était pas un endroit pour des voyageurs. Attends, Finduelas? Mais... Tu le vois qui ralentit un moment, qui s'arrête et puis qui passe sa main sur son front quelques instants. Qu'est-ce que tu fais là? Tu étais censé être à Bray? Avec en plus un hobbit? Mais tu es complètement inconsciente, ma pauvre fille. Ouais, ça. Enfin, j'aurais bien cru que s'il y avait une personne qui savait que s'aventurer dans les Galgal de nuit, ça serait toi. Ah, t'étais là quand on nous l'a appris. T'étais là quand les maîtres nous l'ont dit. Tu sais ce qu'il y a dans les Galgal. Pourquoi tu viens de nuit? Déjà, merci de nous avoir sauvés. C'est une très très longue histoire. Elle a intérêt à être bonne ton histoire parce que... Bon, attends. Est-ce qu'on peut peut-être se poser dans un endroit plus calme, oui, pour discuter? Il n'y a plus de danger aux alentours? Il y a toujours du danger aux alentours. Ce sont les Galgal. Du danger immédiat. Non, bon. Très bien. Oui. Suivez-moi. Il pivote sur ses talons. Elle te fait signe de le suivre. Et s'avance à grandes enjambées. Non pas en direction du haut de la crête, mais à flanc de crête. En direction d'un endroit où il y a l'air d'avoir une espèce d'énorme pierrier. Ok, bah, globalement, moi je regarde mes compagnons, je fais un geste de la main et puis. Ok, tu lui. C'est parti quoi. Et tu lui emboîtes effectivement le pas. Otto et Féarod. Est suffisamment prêt pour voir ou... Féarod est suffisamment prêt pour le voir. C'est une nuit qui est relativement claire, même si les nuages commencent à s'accumuler, présageant certainement l'orage. Pour mémoire, le lieu dans lequel vous vous retrouvez ressemble peu ou prou à ceci. Vous êtes dans l'une des vallées. Et la plupart des sommets ont des pierres comme ceci, plus ou moins juchées, plus ou moins jetées les unes contre les autres, des restes d'anciennes tours et d'anciens bâtiments, d'anciennes tombes et d'anciens palais qui ont depuis longtemps sombré dans l'ombre. Tu dis comme ceci, il y a quelque chose qui s'affiche. Il y a une image ici, normalement, aha, que vous devriez voir. Avec un magnifique éclair. Mince. Il faut que tu les ouvres un peu. Ouais. Oui, voilà. Effectivement, ouais. C'est en haut de la map. Exactement. C'était la tache noire qui était sur la map, du coup. C'était donc ça. Féarod et Otto, du coup, que faites-vous? Bah, Féarod suit, mais pas avec grande conviction non plus. C'est à la fois, il est reconnaissant qu'on ait sauvé ses miches, et en même temps, il aurait bien voulu se barrer et laisser ce groupe... derrière lui. En tout cas, partir des Galgal, ça c'est sûr. Il se dit qu'il va peut-être encore y avoir une mauvaise aventure derrière. Et puis bah, Otto, il est concentré sur sa loutre, donc il est content de plus être de la nourriture pour Bête Bizarre, mais en attendant, il a toujours pas sa loutre, et il est hors de question qu'il bouge d'ici sans sa loutre. Donc il commence à s'agiter partout, à tirer un peu la manche de Féarod, de Finduelas, et à tourner en rond, en commençant à parler de plus en plus fort, en disant « Ao ! Ao ! Ao ! » Tu veux me faire, s'il te plaît, un jet de fouille plus corps, tandis que tes compagnons me disent comment ils réagissent à cela. Ça me fait penser que j'ai encore laissé des trucs de l'autre côté du lac. Oui. Mine de rien. Je sais plus ce que j'avais pris par contre. Il y a un poney quand même. Il a pas bougé avec tout ce qui s'est passé. C'est une question. On va voir ce qu'il reste de l'autre côté. On va voir ça tout simplement. Un petit dé de courage. Si, le poney a pris la fuite. Ah! J'aime bien le si, le poney. Ouais, ça a fait un 1, donc oui, le poney a J'aurais pris la fuite. Non. Non, non. Le poney a effectivement pris la fuite, il n'est nulle part. Brave bête, il a eu raison. Tu peux faire, si tu veux, un jet de... Tu peux faire un jet de chasse, plus esprit. Enfin, plus corps, pardon, si tu veux, pour voir dans quelle direction il est parti. Moi? Oui, toi.
C'est toi qui t'y rends. Donc, c'est-à-dire que ton cousin te dit « Suivez-moi », et toi, à la place, tu fais « Non, je vais redescendre retrouver mon poney. » Bah non, 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 surtout pas. D'accord. Très bien. Bon, alors, du coup, tu ne vas pas faire jet de chasse. Le jet de chasse, c'est uniquement si tu vas repérer les traces et voir si tu peux déterminer dans quelle direction il est parti. Mais tu ne le vois pas, le poney. Ouais, bah, je ne vais pas faire... Non, je suis mon cousin, quand même. Très bien. Donc tu remarques que Otto est en train de visiblement paniquer, la précaution, la discrétion, tout ça, il essaye pas, au contraire, il commence à donner de la voix de plus en plus fort pour appeler sa loutre. D'abord Féarod, parce que Féarod était le premier dont il vient tirer la manche en mode « S'il te plaît, ma loutre, ah oh, elle est où ?» J'avoue que je suis encore un peu sous le choc, effrayée et quelque part un peu morose. Et du coup, je sursaute en l'entendant d'un coup s'agiter et crier. Et je lui dis, mais ça va pas, stop, arrête. Arrête ça tout de suite. Donc voilà, j'essaye de le faire taire. Donc je regarde tout autour de moi, un peu paniquée, voir s'il y a d'autres choses qui pourraient nous arriver dessus. Peux-tu me faire un jet de présence plus cœur, s'il te plaît ? Face de la part d'Otto à un jet d'inspiration plus que parce que tu arrives à lui faire peur et à l'intimider. Inspiration, ok. C'est des 20 ou des 10? C'est des 10. Je sais, ça fait longtemps. Comme il se met automatiquement en des 20, je n'ai pas en doute. Oui, parce que la plupart des systèmes utilisent base des 20, du coup il se met en des 20 de base. Oui, Otto, effectivement. Alors, tu commences à paniquer, tu commences à gripper, et puis tu vas chercher Féarod, tu es certain qu'il va t'aider. Féarod, il te jette un regard, tu t'arrêtes net dans tes traces. Ma loutre. S'il te plaît. Ma loutre. Pleure sur ma botte. Est-ce qu'il ne me resterait pas du pain dans ma veste quelque part ? Alors, dans ta veste, ou du non. Fromage. Dans ton, enfin, s'il te reste du fromage, il s'est probablement dû maintenant mêlé aux fibres de ton vêtement dans lequel il a été écrasé. Parce que rappelons-le, t'as déboulé une bonne partie de la pente en roulé-boulé. Oui. Mais je pense que face à l'attitude de Féarod, Otto va se résigner au moins pendant un temps. Si jamais il ne marche pas trop loin pour suivre les rôdeurs, il va se résigner pendant un temps. Mais il va prendre le fromage qui est un peu collé, tout écrasé, et il va l'émietter tout le long de tout derrière lui. Très bien, pour faire effectivement. Chaos pourra suivre. Tu fouilles dans tes poches rapidement, un petit peu paniqué, et tu y trouves quelques restes de fromage que tu avais gardé pour ton 4h du matin, et qui sont complètement agglutiné de fils, de morceaux, de choses que tu avais dans ta poche, de petits cailloux que tu avais gardés, d'une noix que tu avais récupérée en disant que ça pouvait servir. Donc tu finis par sortir tout ça de tes poches, c'est complètement collant, t'en as plein les mains, mais tu l'émiettes autant que faire se peut et tu commences à le semer derrière toi, tandis que tu prends la suite de Féarod, l'air maussade, mais te rendant compte que oui, là t'as quand même été un petit peu vertement tensé, tout de même. Mm. Il m'aime plus. Il ne t'a jamais aimé. C'était là la subtilité. Vous suivez donc Aldaran, qui vous mène à flanc de colline jusque dans le pierrier, naviguant entre quelques-unes des pierres jusqu'à ce que vous arriviez à une cache. Hop là. Alors on va réduire l'image qui est un petit peu grande. Hop là. Niché dans un jalon entre les roches qui ressemble peu ou prou à ceci. Donc une porte en ruine dans une anse avec deux grands piliers gravés au sein d'un long défilé de pierres qui est absolument invisible depuis la vallée. Sans attendre de voir votre réaction, il se faufile à l'intérieur, passant par la porte et s'enfonçant dans les ténèbres. Le suivez-vous? Oui. Affirmatif. Les chevaux passent ou pas? Les chevaux passent, en effet. C'est un peu bas de plafond, donc tu pourras pas rentrer en étant monté, mais les chevaux passent en termes de largeur. Bah, je saute à bas de mon cheval, je mets pied à terre, comme on dit, et voilà, je me parabride.
Et Otto suit, mais continue à semer du fromage. Continue à parler à Erestrel pour le rassurer, parce que je bougonne aussi un petit peu sur ce qui s'est passé. Et... Fort bien. Vous entrez donc à l'intérieur et vous vous rendez assez rapidement compte que l'endroit a dû être à un moment ou un autre un poste de garde. Il y a là effectivement des meurtrières qui donnent visiblement sur la vallée, des longs passages au terme desquels on tombe sur des chambres d'observation. C'est visiblement très antique, mais ça a aussi été, il est évident à la simple manière dont les couloirs sont taillés un peu à la va-vite, ça a certainement été étendu et agrandi au fil du temps et jusqu'à récemment pour en faire un poste d'observation particulièrement développé. Depuis là où vous vous trouvez, on peut, à travers les différents passages et les différentes fenêtres cachées, avoir un point de vue sur à peu près toutes les vallées environnantes du sommet sur lequel vous vous trouvez. Certainement donc une cage de rôdeurs. Vous n'y trouvez personne d'autre que vous. Quelques meubles poussés contre les murs, visiblement spartiates, c'est fonctionnel et pas là pour de la décoration. Et surtout, dans l'une des pièces, vous remarquez qu'il y a un mini-arsenal, une petite dizaine d'arcs, 2-3 carquois de flèches remplis, quelques épées sur lesquelles on a mis des étoffes pour en ternir le lustre. Tout cela derrière une ouverture qui pourrait assez facilement se refermer avec une lourde pierre qui est pour l'instant posée contre le mur à côté. Manifestement, voilà, un endroit prévu par les rôdeurs pour surveiller et éventuellement être capable de réagir à des menaces. Ça vous semble pas prévu pour accueillir une seule personne. Il n'y a que Aldaran ici, mais on pourrait facilement y faire tenir une dizaine de personnes à peu près n'importe quel moment, sans trop de difficultés. Une fois que vous entrez dans la salle principale, légèrement à l'écart de l'entrée, Aldaran se dirige vers une espèce de vieil âtre, remue un petit peu la poussière, prend depuis un tas de bois proche quelques brindilles et quelques morceaux de bois et commence à allumer rapidement un feu, non sans avoir au préalable Finduelas demandé de tirer la porte en travers de l'ouverture. Tu regardes autour de toi, et effectivement, juste à côté de la porte entrebâillée par laquelle vous venez de passer, il y a une sorte de porte de treillis, donc de bois, des lianes qui ont été tressées sur lesquelles on a jeté une nasse de feuilles épineuses pour derrière les fondre. Et pour, enfin, les fondre en une sorte de masse sombre et pouvoir masquer toute éventuelle lumière provenant de l'intérieur. Ça dissimule absolument pas le fait qu'il y ait une entrée ici. Si quelqu'un se trouve face à la porte, il verra qu'il y a un mur de ouf. Mais par contre, ça masque toute lumière. Une fois le feu allumé, vous regardez autour de vous, vous avez eu le temps de vous asseoir, hésitant un petit peu, ne sachant pas trop quoi dire, vous regardant les uns les autres, regardant autour de vous, c'est quand même assez claustrophobe comme endroit. Les plafonds sont bas, les murs sont étroits, même les salles sont elles-mêmes assez étroites et on s'y sent assez mal à l'aise, c'est exigu. Et il y règne une ambiance qui est plus l'ambiance d'un tombeau que d'un poste de garde. Rien de très étonnant, Finduelas, tu le sais, car ça devait être certainement un tour de garde à l'époque où les hauts des Galgal étaient occupés, il y a un millénaire de cela, mais depuis, ça n'a guère connu que la présence des morts et des rôdeurs venus s'assurer que les morts resteraient bien là où ils étaient restés. Donc ça ne t'étonne guère qu'il n'y ait pas de traces ou d'atmosphère de vie dans cet endroit. Le feu commence à crépiter, de la lumière revient, un peu de chaleur. Je m'enquière quand même de la mission de mon cousin pour être sûr que on lui prend pas son temps. Alors il est venu, il a buté des monstres et puis après il nous a emmenés ici, mais il avait peut-être pas du tout prévu. Enfin, il avait pas du tout prévu de nous emmener là, donc. Il t'explique tandis qu'il fait son feu que. C'est bizarre qu'il soit tout seul aussi et puis. Bah, qu'il est, en fait, il était. Ce qu'il t'explique, c'est qu'il était ici quand il a entendu les bruits du combat. Et normalement, il n'est pas ici, c'est un avant-poste où les rôdeurs viennent rarement, sauf quand les morts ne dorment pas. Mais en l'occurrence, il avait été dépêché ici, car un messager est censé parvenir dans la nuit de la part de Foncombe, pour lui transmettre une information importante que son capitaine attend. Donc c'était lui qui était censé la récupérer. C'est pure chance que vous soyez arrivé à peu près au même moment. Il regarde tes compagnons un instant, puis il t'avoue, sans véritablement chercher à cacher sa voix par ailleurs, que il a hésité et que le simple fait qu'il soit venu à votre secours, alors, bon, finalement ça s'est bien passé,
Mais il a couru énormément de risques, car c'était se mettre en danger lui et sa mission, qui est autrement plus importante que vous tous réunis, pour pas grand-chose. C'est aussi pour ça qu'il est assez en colère envers toi, c'est que bah, tu devrais savoir que dans les hauts des Galgal, il y a des dangers contre lesquels les rôdeurs ne te protégeront pas ou ne pourront pas te protéger. C'est un endroit périlleux en temps normal, en particulier de nuit. Et il est vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qui a bien pu te pousser à y venir maintenant, alors que tu aurais très bien pu attendre le matin. D'autant plus que tes compagnons ont l'air en assez misérable état. Vous avez déjà énormément de chance d'avoir survécu à l'assaut des spectres. Et tes compagnons ont l'air blessés, d'une part, dans leur intégrité physique, mais aussi, ils ont l'air terrifiés. Il vous tend, d'ailleurs, Féarod et Otto, une flasque, une outre, en peau épaisse et velue, dont il vous dit de boire une longue gorgée. Pas plus d'une gorgée, mais une longue gorgée, cela vous remettra un peu de vos esprits. Je le remercie en prenant la flasque. Et Otto est apathique. Il pense qu'il y a une chose, ça l'outre de toute manière. Il se dit que plus il passe de temps loin, et moins il a de chances de la retrouver. D'autant plus que tout ce que Aldaran est en train de vous dire de la région n'incite guère à confiance. Il faut bien le dire. Vous buvez une longue gorgée, ça s'avère être une sorte d'eau de vie, un alcool extrêmement fort, assez âcre en goût. Tu crois y distinguer Otto, parce que ton peuple est assez coutumier d'eau de vie, notamment d'eau de vie de fruits, tu crois y distinguer de la prune. Et effectivement, ça redonne du courage, oui, du courage liquide, oui, c'est rêche, comme diraient les jeunes. Mais vous sentez une chaleur qui revient dans vos membres, un peu d'énergie aussi. Aldaran se tourne à nouveau vers toi, Findulas. Donc qu'est-ce qui ne pouvait pas attendre? Qu'est-ce qui était si important que tu t'as mis toi en danger, que tu as mis tes compagnons en danger, que tu as mis ma mission en danger, que t'as mis potentiellement la garnison en danger? Tu te rends compte que je dois faire un rapport? A priori, je pense qu'effectivement, il va y avoir besoin de faire un rapport. Pas forcément uniquement pour ce qui vient de se passer ce soir, mais pour tout ce qui s'est passé... Depuis, ça fait quoi? Ça fait 24 heures? 48 ouais, heures. À peu près, 48 heures, un peu moins. Je sais pas s'il a eu des nouvelles de Bray. Récemment. Pas depuis 2 semaines, à peu près. J'explique qu'il se trouve qu'on était... Il y a eu un meurtre. Malor a été assassiné. Dans des circonstances très obscures. Assassiné. Je sais pas si vous connaissez Malor, mais Malor a été assassiné. Oui, je le connaissais, j'ai eu la chance de voyager avec lui une fois. Pas très très disert, mais c'était un rôdeur et puis un vétéran, pas des moins compétents. Il a été assassiné de manière très très étrange, comme si il y avait des spectres qui étaient derrière cela. C'était... Il a été égorgé, mais il a été comme pétrifié par une espèce de chose. Son corps était froid, et puis c'était très étrange. C'est arrivé au moment du passage d'une caravane qu'on a décidé, après quelques détours, de suivre. Et on était à peu près certain que c'était... deux personnes dans cette caravane qui maîtrisaient une sorte de magie étrange. Quelque chose d'un peu spectral. On n'a pas forcément encore très bien compris. Et je pense de la sorcellerie. On ne comprendra jamais. Oui, c'est... Tu peux faire un jet d'intuition, s'il te plaît, plus esprit. Toi et tes compagnons, mis à part Otto, qui est préoccupé par sa loutre et qui prête qu'une oreille distraite à la conversation. Donc toi et intuition, plus esprit. Oui.
24. Yep, j'attends juste le jet de fée à Rod, s'il te plaît. Ah, moi aussi, ok. Oui, oui, il y a juste Otto qui peut pas. Mais toi, j'imagine que t'es en train de prêter attention à la conversation, parce que même si t'es voilà, irrité et effrayé, t'aimerais aussi... Enfin, Féarod aimerait aussi comprendre ce qui se passe. Oui, même si... Il a pas très envie de se... se joindre à tout ça. Non, elle a pas envie de se joindre, mais je pense qu'il y a une partie de lui qui cherche un responsable ou un coupable. Certes. Hop. Très bien. L'un et l'autre, vous remarquez qu'effectivement, lorsque tu mentionnes cette histoire de magie ou de sorcellerie, une émotion un peu complexe, très certainement de une illumination, Aldaran vient de comprendre quelque chose, certainement quelque chose qui n'est pas lié directement à vous. Mais il te laisse poursuivre. Quand je vois sa réaction, je lui demande s'il a déjà entendu parler de choses similaires. De la sorcellerie, oui, on en voit souvent, trop souvent ici. Mais surtout cela coïncide avec quelque chose, un message que le pèlerin gris nous a fait parvenir il y a de cela quelques semaines. Il semblerait qu'il y ait une recrudescence des activités d'un ancien culte, plus loin, beaucoup plus loin au nord. Un sorcier du nom de Gorlanc, qui avait sévi... Il y a de cela quelques décennies, les rôdeurs, nos prédécesseurs, l'avaient mis en déroute, pensaient l'avoir tué. Certains des informateurs du magicien gris lui ont dit que... celui-ci recruterait à nouveau. Si c'est le cas, il y a fort à parier que tout ce que la région compte de sorciers, de nécromants et de serviteurs de l'ennemi en général soit attiré par cet appel. Ça expliquerait ces choses que vous avez rencontrées. Ça pourrait être tout à fait... Oui, tout à fait cela. Confirme, en tout cas. Féarod intervient et confirme qu'on a trouvé plusieurs fois... Des écussons marqués du corbeau de Gorlanc sur notre trajet, et notamment Malor quand il est mort, on a retrouvé ça sur son corps, ainsi que d'autres victimes dans le sac, notamment des personnes que l'on suivait potentiellement qui étaient impliquées dans la mort de Malor. Elles avaient cet écusson frappé. C'est d'autant plus inquiétant, cela veut dire que non seulement Gorlanc rassemble à lui ses alliés, mais surtout, Gorlanc connaît notre existence, ou du moins ses alliés connaissent notre existence, et nous cherche notre tort. Je doute que ce soit un simple accident. Je sais pas si j'ai encore des morceaux de... Enfin, en tout cas, la représentation, ou un morceau d'étoffe, ou quelque chose comme ça, ou de... Ton pactage était sur le poney. Ouais, sur le poney, ok, donc j'ai plus rien. Très bien. Tu as ton matériel militaire avec toi. Tu as la corde que tu avais balancée sur Féarod avec une bonne intention et mais pas beaucoup de bons résultats. Et ça s'arrête là. J'ai plus de points d'espoir. C'est vrai. Bref, ça fait longtemps que j'ai plus de points d'espoir. Ok, bon, du coup, je peux pas lui montrer. Ça fait longtemps que je n'ai plus d'espoir. En vrai, tes circonstances se prêtent assez bien à une phrase. Du lore de Tolkien, qui est la phrase qui a été dite par la mère d'Aragorn, qui est Onen iesteledain ut chebin estelanim. J'ai donné tout mon espoir aux hommes et je n'en ai gardé aucun pour moi-même. Effectivement. Qui est la phrase qu'elle a dit au seigneur Elrond lorsqu'elle lui a remis la tutelle de son fils Aragorn avant de elle partir. Bref. Là, c'est pas aux hommes qu'il a donné son espoir. C'est au MJ. C'est moins classe. Pour dépenser des points. Please. Help me. Donc effectivement, ce que tu lui dis l'inquiète. Et tu sens que la colère qui était dans son ton, la colère envers toi, envers la folie et l'idiotie dont vous avez fait preuve à ses yeux en venant ici, est en train de rapidement disparaître au regard de ces nouvelles assez inquiétantes que tu lui apportes. Du coup, pour reprendre l'histoire, on est parti, on suivait cette caravane jusqu'à Bray, où ils ont passé la nuit à l'auberge du poney fringant. Et pendant la nuit, on a essayé du coup de se rapprocher de ces deux personnes suspectes pour essayer de voir un peu ce qu'il en était, essayer de trouver des indices, des preuves, de comprendre ce qui se passait, de tirer un peu tout ça au clair.
Il se trouve qu'ils se sont fait attaquer par des nains pendant la nuit. Moi, je suis passé. Il y avait deux personnes suspectes, donc un homme et une femme. La femme a réussi à s'enfuir en passant par la fenêtre. J'ai couru avec Otto ici là à sa poursuite dans les rues de Bray, mais elle a réussi à me distancer. Et lorsque je suis revenu à l'auberge du Bonnet Fringant, en ayant également perdu Otto au passage, il se trouve que un des nains avait été grièvement blessé et qu'une autre de nos compagnons qui n'est plus avec nous aujourd'hui avait tenté de le sauver et que cette. Ses soins n'ont pas eu l'effet escompté. Et que le nain est décédé dans des conditions peut-être pas très propres, avec une effusion de sang, du bruit, des cris qui a réveillé toute l'auberge. Et on n'était plus que ici, là, avec des vêtements pleins de sang face à ce nain. Donc on a pris la fuite. Pour ne pas se faire attraper et accuser d'assassinat, parce que tous les indices étaient convergents. Il n'y avait plus rien d'autre, enfin, il y avait rien pour nous en santé sur le coup. Les gens de Bray sont pas forcément très. Comment dire. Très ouverts d'esprit lorsqu'il s'agit d'étrangers. Ils ont tendance à accuser un peu rapidement, ça, on le sait aussi bien l'un que l'autre. Et dans notre fuite, du coup, on a perdu notre compagnon qui avait prodigué les soins au nain qui avait été blessé. Et donc on était en train de. On voulait reprendre contact avec les rôdeurs. Il se trouvait qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment où les spectres nous ont attaqués et qu'on est tombé sur toi. On ne sait pas comment retrouver notre compagne pour l'instant. On ne sait pas ce qui est devenu d'elle. On ne sait même pas si elle est encore en vie. Donc si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, non seulement vous êtes recherché à Bray, mais vous ne pouvez pas y retourner. Et il va falloir. Avec tout ce que vous avez fait, il y a de fortes chances que les prochains rôdeurs qui vont tenter de s'y présenter ne puissent pas le faire à visage ouvert. Les bonnes gens de Bray commençaient à peine à faire confiance à certains d'entre nous. Effectivement. J'espère que cela ne va pas rendre plus difficile la tâche de ceux qui auront besoin de les protéger. Mais ce qui est fait est fait. Il est trop tard, effectivement. Vous n'auriez peut-être pas dû venir jusqu'ici, ça aurait pu attendre le matin, mais. Le capitaine décidera. Pour l'instant, restez ici. Reposez-vous. Je dois toujours retourner, attendre le message que j'étais censé récupérer. Ne bougez pas de cette cache. Et il tourne un Et ma regard vers montre? toi, Otto. Ne sortez pas d'ici. Si vous ne sortez pas d'ici, je ne pourrai pas vous protéger. Enfin, si vous sortez ici, je ne pourrai pas vous protéger. Mais ma loutre? Votre loutre, Maître Hobbit, est un animal. Loyal, peut-être. Un animal. Il a bien plus d'instinct de survie que vous, visiblement, puisqu'il a fui. Votre loutre se débrouillera toute seule. Elle sera certainement bien moins en danger à se cacher dans quelques terriers qu'à être en compagnie de gens aussi inconscients. Maintenant, restez sage. Peu de bruit, peu de lumière. Je serai de retour avant l'aube. Finduilas, tes explications sont importante et s'il ne tenait qu'à moi, je ne considérerais pas ça une erreur, mais n'attends pas du capitaine la même mansuétude. Le capitaine Aleth n'est, hélas, n'est pas connu pour être
généreux. Il te remerciera d'une main pour ce que tu lui apportes et te punira de l'autre pour tes transgressions. Je te recommande de prendre le temps pour réfléchir à comment tu vas lui expliquer tout cela. Il se retourne, récupère sur l'un des bancs un arc qu'il avait laissé poser, ceint son épée à nouveau, récupère une dague qu'il avait laissé planter dans une miche de pain qui est visiblement dure comme le bois. Jette un dernier regard derrière lui, vérifiant que vous êtes tous bien là. Puis se glisse entre la porte de houx et l'ouverture et disparaît dans la nuit. Bon, tous assis dans un coin et il attend. Sans manger. Vous êtes sec d'ailleurs ? Non. Il y a un feu. Vous pouvez vous faire sécher, mais Otto pour l'instant n'y a pas encore pensé. Non. Et Otto, rappelons-le, t'es contusionné de partout. T'as de nombreuses coupures et blessures, aucune d'elles grave, mais bah, mine de rien, c'est des griffes de loutre qui t'ont entaillé la chair à travers ta chemise et à travers le cuir. Tu commences effectivement à sentir la douleur qui revient. Mais elle est toujours moins forte que celle dans mon petit cœur. Pour ma part, je m'occupe d'Erestrael, de le faire s'installer confortablement ou autre. Je fais en sorte de voir s'il va bien, j'essaye de le rassurer et lui dire de se reposer, qu'il se mette bien. Et une fois que ça s'est fait, je me tourne vers mes compagnons, et notamment Otto. Et quand je le vois un peu mal, je pose juste une main sur son épaule, une main chaleureuse, et je retourne ensuite vers Erestrael pour tenter de me sécher et de reprendre des forces. Si je vois Otto tout seul dans son coin, je vois qu'il a peut-être quelques blessures ou quelques trucs comme ça, on est dans une cage de rôdeurs, donc il va y avoir des trucs au moins de base pour essayer de prodiguer au moins quelques soins à Otto. Je vais bien être capable de trouver ça. Il y a effectivement quelques cataplasmes et quelques bandages rudimentaires, le genre de choses qui peut rester quelques semaines sans perdre de ses propriétés, donc c'est des choses vraiment basiques que tu peux effectivement utiliser pour commencer à te pencher donc, sur les blessures d'Otto en lui ôtant sa chemise bien laminée, la tunique en cuir dessous pareillement abîmée, et tu vois qu'effectivement il a le torse, les côtes, les épaules et une partie du cou bien entaillée. Il y a des endroits où les coupures sont méchantes, c'est-à-dire que ça a entaillé la chair, ça a saigné abondamment, il y a des plaques de sang un petit peu partout sur son torse. Tu te dis que c'est certainement que l'adrénaline et l'inquiétude envers sa loot qui a fait ne pas s'en rendre compte et ne pas tourner de l'œil. D'ailleurs, Otto, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de d'athlétisme plus corps. Parce que lorsqu'effectivement Finn Villas va te dévêtir partiellement pour examiner tes blessures, tu vas te rendre compte de ton état et t'es pas certain que t'aies déjà vu quelqu'un aussi mal en point. Enfin, que tu te sois déjà vu toi aussi mal en point. Tu ne tournes pas de l'œil. Mais effectivement, tu t'étais pas rendu compte à quel point Otto t'avait littéralement lacéré. Enfin, Otto... Ah, on essaye de rassurer Otto en lui disant effectivement que c'est un animal sauvage, que dans la forêt elle s'en sortira très bien et qu'on pourra partir essayer de la chercher demain quand il fera jour et qu'on sera tous reposés et que ça ira mieux. Otto hoche tristement la tête, et la seule chose en fait qui a fait qu'il est un peu amorphe comme ça et qu'il n'est pas parti courir dehors, c'est d'entendre justement dire que sa loutre serait mieux sans lui et qu'elle avait plus de chances d'être mieux sans lui. Du coup, il est résigné et il attend. Très bien. J'essaye de placer Otto plus près du feu aussi pour qu'il se réchauffe un peu. Quand même. En effet.
Au fur et à mesure, effectivement, que donc tu t'occupes d'Otto, tu pourras me faire un jet de guérison. Plus esprit, s'il te plaît, Findulas. Alors, guérison, c'est... Healing. Ah, c'est une caractéristique, quand même. C'est une caractéristique, okay. C'est une compétence à part entière. De guérison. Guérison plus esprit. Bah, vous n'êtes pas beaucoup battu, donc vous n'avez pas trop eu l'occasion de vous servir. Plus esprit, oui. Très bien, tu vas me lancer... Critique, potentiellement. Tu vas me lancer... un des 6 et un des 4, s'il te plaît. 6 et 1 des 4. Très bien, tu t'occupes effectivement d'Otto, tu panses les plaies après les avoir nettoyées. Il y en a une que tu es obligé de recoudre, parce que sinon ça risquait de suppurer un peu. Ça te prend une bonne heure, le temps de faire tout cela, à la lueur du feu et d'une torche que tu poses non loin de toi. Mais tu parviens à restaurer à Otto 8 points d'endurance. Ah, la classe. Où est l'endurance? À côté de ton espoir. 8 points? Oui. Waouh. 1, 2, 3, 1, 6, 7... Otto, voilà. T'es contusionné, t'as mal de partout, mais tu sens que, bon, il y avait plus de peur que de véritable mal. Pendant ce temps, Féarod, dans son coin, voilà, il est un peu perdu dans ses pensées, il s'occupe des Restrels. Les Restrels commencent à être calmes. Paradoxalement, il est moins inquiet dans l'endroit dans lequel vous vous trouvez, que pourtant toi tu vis comme étant à moitié un tombeau, hein, t'en es conscient, et c'est pas du tout rassurant, qu'il ne l'était lorsque vous étiez dehors à l'air libre. Du moins dans les Galgales. Le temps, voilà. Pendant ce temps qui passe, en silence principalement, car Findulas, toi, ben, tu t'occupes d'Otto en silence, Otto est perdu dans ses pensées, Féarod dans les siennes. Ne pas vous empêcher de vous rendre compte un petit peu de commencer à voir les événements des jours passés s'imbriquer, on va dire, et s'inscrire dans votre mémoire et dans votre cœur. Vous vous rendez compte tout de même des vies qui ont été perdues par votre faute, par manque d'action ou simplement non loin de vous. Il y a de cela à peine 3 jours, vous voyagez en compagnie d'une caravane. Aujourd'hui, de cette caravane, 3 des membres sont morts. L'une est en fuite, personne ne connaît son sort. Le sort des autres, vous ne le connaissez pas. Vous-même êtes en fuite. L'un de vos compagnons a disparu. Les choses ont changé très vite, tout de même. Et très vite pris un tour pour le beaucoup, beaucoup plus sombre. Et beaucoup plus dangereux. Et chacun de vous ne peut voilà, s'empêcher de se demander, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Nous y reviendrons dans un instant. Pendant ce temps, Rumil, toi, tu as appris, donc, tu as accompagné la compagnie des elfes, avec qui tu avais trouvé un peu de répit et d'hospitalité. C'est donc cette compagnie menée par Kenedriliel, un elfe âgé de grande taille, originaire d'Imladris, qui t'ont expliqué qu'il se dirigeait donc vers les Havres Gris pour prendre les navires vers les terres immortelles et quitter à jamais la terre du milieu. Rejoindre certains de leurs parents, Kenedriliel notamment va y retrouver son épouse et son fils, partis il y a déjà de cela plusieurs siècles, après avoir vu la chute d'Eregion et n'avoir pas réussi à trouver dans les maisons d'Elrond l'espoir qu'ils espéraient y trouver. Il est resté plus par loyauté envers son seigneur que par véritable espoir, mais le temps est venu. L'âge des elfes est terminé, le temps du déclin est arrivé. La fin d'un âge approche. Le prochain âge, quel qu'en soit le sort, sera l'âge des hommes. Il n'y a plus de place pour les elfes ici. Alors le moment est venu de partir. Et en ce faire, il a une dernière mission qui lui a été confiée par le seigneur Glorfindel, le bras droit, donc d'Elrond d'Imladris, le haut roi des elfes, même si tu le sais, il n'a pas le titre de haut roi des elfes, mais il l'est en tout sauf en titre. Il a un message de la part du seigneur Glorfindel à l'attention du capitaine de la garnison de Tirngorfad, et comme c'était sur leur chemin, celui-ci leur a demandé donc de transmettre ce message. Ils sont censés avoir rendez-vous avec l'un des rôdeurs avant l'aube. Ils ne voyagent guère de jour, préférant rester cachés du regard des mortels avant de voyager la nuit. D'accord. Vous voyagez donc lentement, au rythme nonchalant et tranquille des elfes qui savent que... Eh bien... Ils vont partir de toute façon,
et qui flâne une dernière fois dans les forêts, les collines, au bord des rivières qui ont connu autrefois la gloire et les chants de leur peuple, au tout début du monde, avant de devoir enfin partir. Vous prenez votre temps, rien ne presse. Vous marchez de longues heures sans que tu aies véritablement le temps passé. Le ciel commence lentement à pâlir. Mais il est encore bien gris et bien sombre, le soleil n'a pas point à l'horizon. Lorsque tu commences à voir se profiler, presque par surprise, car vous avez avancé majoritairement à l'ombre des arbres sans avoir énormément d'horizon, lorsque tu commences à voir se profiler sur ta gauche en direction du sud, la longue ligne de crête des monts des Hauts des Galgal. Des monts... Hop là, déplacer légèrement l'image. Ici. Kinedriliel fait signe à la compagnie de se diriger vers un bosquet d'arbres noueux en surplomb sur le sommet d'un petit talus où, dit-il, le rendez-vous a été prévu et où il peut déjà d'ici voir le rôdeur qui vous attend. Peux-tu me faire un jet de vigilance plus corps, s'il te plaît? Tu regardes, mais tu ne vois pas de traces de cette silhouette que Kenriel t'indique pourtant. Tu lui fais confiance et tu le suis. La compagnie s'arrête au pied de ce talus, Kenriel et quelques-uns de ses compagnons les plus proches, gravissant seul la pente. Tu hésites un instant, mais il te fait un signe de tête, indiquant que si tu désires les accompagner, tu es la bienvenue. Je vais les suivre. Après qu'il me fait ce signe, je le suis. Tu lui emboîtes le pas, vous gravissez rapidement en naviguant entre les racines noueuses. Le chemin, inexistant mais que vous parvenez à trouver cependant sans trop de difficultés, jusqu'à arriver donc dans ce bosquet au centre duquel il y a une sorte de toute petite clairière au bord d'un petit étang, sur lequel il y a des oiseaux qui sont en train de tranquillement pépier leur éveil. Et effectivement, tu vois... accoudé contre l'un des arbres, drapé dans une cape qui le rend quasiment impossible à voir de loin, car elle est du même ton que l'écorce derrière lui, un rôdeur de grande taille, muni d'une longue lame au côté et d'un arc dans le dos. Il se redresse en vous voyant arriver et s'incline très bas devant Kenedriel et ses compagnons. Mes seigneurs, Kenedriel le salue également, bien que bien moins bas, indiquant certainement une certaine noblesse chez Kenedriel, un statut supérieur à ce rôdeur que vous rencontrez, avant de lui transmettre les salutations du seigneur Foncombe d'Imladris et du seigneur Glorfindel. Ceux-ci espèrent que la garnison de Tirnborthad parvient toujours à lutter contre les démons auxquels ils font face et leur apporte les bénédictions et la bonne volonté des peuples libres. Ceux du Valgaché connaissent leur lutte, une lutte bien souvent sans merci et sans remerciement, mais une lutte nécessaire et qui, le silence dans lequel ils se battent, n'ôte rien à l'héroïsme et au courage de leur sacrifice. Tu sens sans trop aider que, en dépit de ces, enfin, sans trop, comment dire, hésiter, que, en dépit de ces belles paroles, tout cela ne fait rien pour apporter de réconfort ou d'espoir à l'homme qui se tient face à vous, qui est là relativement jeune. Visiblement, certes, c'est bien gentil de savoir que d'autres pensent à lui, mais ça ne change rien au danger auquel il fait face au quotidien, aux camarades qu'il a peut-être déjà perdus, aux horreurs qu'il a certainement déjà vues. Un bien maigre réconfort. Kenedriliel remet donc au rôdeur un long rouleau scellé dans un tuyau en osier, lui indiquant que celui-ci contient les ordres donc, du seigneur de Foncombe, qu'ils ne sont que pour les yeux du capitaine. Sur comme sur le rôdeur opine, comprenant le secret et le respect de ce secret font partie des traditions des rôdeurs, il va sans dire qu'il ne transgressera pas l'interdit. Il y a un instant d'hésitation, puis le Tidriel, prenant un ton un petit peu moins formel, interrompt le rôdeur, lui demandant « Il semble y avoir quelque chose qui vous dérange, maître rôdeur. Des événements récents, peut-être. »
Tu vois une ombre qui passe sur les yeux de celui-ci, puis il lâche un petit soupir. Et... En effet, nous avons des intrus dans les Galgal. Rien de dangereux, dit-il en voyant l'air surpris sur le visage de l'elfe. Non, simplement des... Bien. Des inconscients qui ont décidé d'entrer dans les Galgal de nuit. Ils ont apporté des fuyards. Ils rapportent de bien sombres nouvelles au sujet de ce sorcier, dont Mithrandir nous a dit qu'il était de nouveau en activité. Il semblerait que... Il voyageait apparemment en compagnie de certains de ses serviteurs et... il y a eu récemment à Bré des sombres histoires de meurtre. Ce n'était guère clair. Ils cherchent l'une de leurs compagnes, peut-être l'avez-vous croisée. Une elfe, disent-ils. Kaedriel, naturellement, se retourne vers toi, Remil, levant un sourcil. Elle est là. Oui. Allez-y. Je me permets de manger une gaufrette tranquillement dans ton coin. Je me permets de vous couper. Je suis justement cette elfe. Ah. Bien, vos compagnons étaient désespérés de jamais vous revoir. Ils étaient à moitié convaincus que vous gisiez quelque part dans quelque talus ou dans une prison de Bré. Oui. Disons que j'ai pu, par un miracle, survivre. Mais je pense qu'ils vous ont déjà raconté qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'en ont dit quelques mots, en effet. Des circonstances dans lesquelles ils vous ont perdu, pas grand-chose. Ils sont traumatisés, très clairement. L'ombre est à la main lourde sur eux. Ils vont certainement avoir besoin de repos. Je doute que cela leur soit accordé, du moins pas à ma cousine. Mais ça, c'est une autre affaire. Trop de responsabilités et trop d'enjeux. Vous dites du coup qu'ils sont actuellement sous votre protection. Est-ce que ce serait possible que je les... Je les ai laissés dans une de nos caches. Ils se tournent vers Kaedriel. Accepteriez-vous, monseigneur, que celle-ci passe sous ma protection, on le saura. Je ferai, bien sûr, tout mon possible pour la traiter comme l'une des nôtres, le temps de sa présence ici. Je ne peux pas simplement cependant vous garantir qu'elle pourra rentrer bientôt. Si le capitaine désire l'interroger, il faudra qu'elle reste. Kaedriel hoche brièvement la tête, puis se tourne vers toi. Écoutez, Dame Remil, c'est à vous de décider. Vous êtes libre, vous n'avez d'obligation ni envers nous, ni envers les rôdeurs. Mais vos compagnons sont là-bas. Merci énormément pour votre bienveillance et pour m'avoir aidé. Et il faut que je retourne voir mes compagnons, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que je finisse cette affaire et j'espère que vous allez bien rentrer. Et je vous souhaite un bon voyage. Et je pars pour me mettre derrière le rodeur. Nos chemins ne se rencontreront pas à nouveau avant que nous quittions cette terre. Mais puissent-ils se croiser dans les terres immortelles, sous le soleil éternel du Créateur? Je dis un truc en elfique, mais je sais pas le dire. Je lui dis une phrase d'au revoir en elfique. Namarie. Namarie, naihiru valie valimar. Namarie. C'est ce qu'il te dit, ce qui veut dire « Adieu, peut-être vous aussi foulerez-vous les berges de Valinor. Adieu. » Adieu. Il fait un nouveau signe de tête, s'inclinant très légèrement devant le rôdeur, avant de se retourner et de reprendre la descente vers sa compagnie. Tu as un pincement au cœur en le voyant partir, car tu sais que c'est certainement... C'est certainement la dernière fois que tu le verras, et tu sais aussi qu'avec lui et avec sa compagnie part un petit peu plus du sang elfe en terre du milieu. Ce sang déjà très fin, très peu présent, ce sang déjà sur le déclin. Il part. Si un elfe aussi noble, aussi puissant que lui, n'est pas capable de trouver en la terre du milieu l'espoir, que reste-t-il? Ou regarder pour trouver la foi dans le combat, l'espoir, la poursuite des luttes, si ce n'est envers ceux qui, eh bien, ont tant d'autorité, tant de passé, tant de pouvoir, si même ceux-là abandonnent, à quoi reste-t-il pour s'accrocher? Et justement, je pense aussi du coup à mes parents,
surtout à ma mère, qui, je le pense, va sûrement pas tarder aussi à le rejoindre. Du coup, j'ai encore plus un pincement au cœur. Effectivement, tu... Voilà. Le parallèle avec tes propres parents est trop fort pour l'ignorer. Tu suis Aldaran en silence. Celui-ci est taciturne, ne te pose guère de questions. Tu es perdu dans des pensées que tu rumines. Et tu ne peux t'empêcher voilà, de sentir, comme jamais tu ne l'as senti jusqu'ici, que ces mots dont on t'a souvent parlé, que tu as souvent entendu dire, mais qui, tant que tu habitais au Lindon, tu les as jamais vraiment vus, parce que souvent tu as vu passer des elfes qui venaient prendre les navires aux Terres Immortelles, en direction des Terres Immortelles, mais c'était des elfes d'autres peuples. C'était souvent des elfes des Noldor, plus rarement des Sindar, assez rarement ton propre peuple prend le chemin des Terres Immortelles. Et là, pourtant, tu as quelque chose qui vient te frapper presque en travers du visage du « Mais si, les elfes doivent passer. » C'est une conclusion inévitable. Le monde en arrivera bientôt à n'avoir plus aucun elfe. Ceux qui resteront seront destinés à diminuer, à redevenir des êtres perdus, loin du contact avec les Valar et tout ce qui est de beau, de plein d'espoir dans ce monde, tout cela doit passer. C'est dans ses pensées, perdu dans ses pensées moroses, c'est le cas de le dire, que tu entends un froissement. Tu relèves la tête, tu vois Aldaran qui est en train de décaler un mur donc de lierre tressé, dévoilant derrière une cache dans laquelle il se faufile. De l'intérieur parvient une lumière oscillante, typique d'une flamme, en feu de camp certainement. Et lorsque tu rentres dedans, tu y trouves effectivement tes compagnons. Ils ont l'air d'être dans un état d'esprit encore pire que le tien. Ah. Otto est auprès du feu. Il est torse nu et tu remarques que sur son corps, sur ses épaules et sur son torse, de nombreuses blessures, des traces de sang qui ont été nettoyées patiemment. Une blessure juste au-dessus de la clavicule qui manifestement vient d'être recousue. À côté de là, ses vêtements, sa chemise notamment, pendant au côté du feu, complètement déchiquetée et sanglante. Finduilas, à côté de lui, perdu dans sa pensée, les mains encore recouvertes de sang. Et non loin de là, Féarod, aux côtés d'Erestrael, en train de murmurer dans l'oreille d'Erestrael. Les amis, Rumil, il y aura au moins eu une bonne nouvelle aujourd'hui. United. Je pense quand même, je suis contente de les voir et en les retrouvant, comme j'étais en train justement de penser à beaucoup d'idées non joyeuses, je leur fais un, pas un câlin, mais je leur montre clairement que je suis très très heureuse de les revoir. Quoi. Elle est en vie. Incroyable. Ça me redonne un peu de l'espoir de voir qu'ils sont en vie. Quand tu vas noter, tu dis heureusement que j'étais pas avec eux pour cette nouvelle aventure. Ouais, j'ai échappé à ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes dans un état pitoyable comme ça? Je pensais qu'il y avait que moi qui était foutu. Il veut pas savoir. Otto reprend vie et fait un gros câlin à Rumil. Oh. Rumil, tes vêtements commencent à se tacher de sang. Mais effectivement, tu n'y prends même pas garde. Ben, et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça te plaît ou tout? Oui, c'est-à-dire que ces plaies viennent d'être... Enfin, la plupart de ces plaies viennent d'être nettoyées, il n'y a que l'une d'entre elles qui est recousue, donc pour peu qu'il fasse un effort un peu physique, ça soigne du sang. Pas ouais, en grande quantité, mais suffisamment pour tâcher tes vêtements. Ben, attention, Otto, bouge pas chance. Trop. Bah moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à me cacher dans un terrier avec des blaireaux pendant la nuit. Et le matin venant, je suis partie pour le nord pour essayer de rejoindre une route. Et sur le chemin, j'ai croisé un groupe d'elfes vagabonds qui m'ont, je pense, sauver la vie.
aussi bien physiquement que moralement. Et tu as réussi. C'est incroyable que finalement vous ayez pris la direction des Galgal et qu'on se soit retrouvé. Ouais. Aussi rapidement. Le hasard. Le hasard fait bien les choses. Le hasard du MJ. Ah là là. Et le hasard surtout d'avoir réussi à repérer la compagnie d'elfes qui passait là. Ouais. Non, parce que tu les as vus passer, t'aurais très bien pu les ignorer. Oui, si j'avais pas croisé cette compagnie d'elfes, je pense que je ne les aurais jamais retrouvés et je serais actuellement. Oui, si tu les avais pas croisés, tu serais parti vers l'ouest et ils t'auraient jamais revu. Ouais. C'est ça. J'aurais essayé de vous recontacter avec des lettres, mais je pense que ça aurait été très compliqué. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et t'as aussi une autre question remise certainement. Où est Erlinon? Et où est Erlinon? Ah, tu vois les pierres? Bah voilà. Ça fait comme Erlinon, c'est cool. Il est devenu pierre. Il ne fait plus qu'un avec la rivière. Pierre depuis tout ce temps. Comment ça? Son vrai nom est Pierre et Pierre il restera au fond de l'étang. Ah. Que tu as vu avec les petits oiseaux tout à l'heure. J'ai cru comprendre que c'était le même étang, qu'il n'y a pas du tout la même tronche le jour venu. D'accord. Mais voilà, on est parti. Sinon, voilà, on est parti avec Irlinon. On s'est aventuré dans les Galgal la nuit. C'était pas une bonne idée. On est passé à côté d'un étang. Il y a eu un gros craquement. Il y a Otto, Féarod, les chevaux, Irlinon qui sont tombés à l'eau. C'était extrêmement confus. J'ai eu un toucher coulé, comme on dit. J'ai essayé de lancer une corde à un moment pour espérer que ça aide quelqu'un, et a priori ça n'a pas vraiment marché. Toucher coulé, ouais. Et après, il y a eu des spectres et on a failli avoir de gros ennuis jusqu'à ce que, heureusement, Aldaran, qui est mon cousin, nous sauve la vie, en fait. Sans lui, on serait certainement bien plus amochés qu'on l'est déjà. Bah après, tout ce que tu me racontes, déjà, je m'assois pendant que tu me le racontes, parce que c'est quand même pas mal d'informations d'un coup. Hein. Et je prends un air assez sombre, parce qu'une vie a été perdue. Et que même si il avait potentiellement été coupable de certains crimes, il ne méritait pas la mort. Celle-là, en tout cas. Mais je suis quand même contente de voir que vous avez survécu, même avec tous ces dangers contre quoi vous avez fait face. Ouais, il faut voir quelle partie aurait survécu, mais... Vous avez eu chance, vous avez quand même eu beaucoup de chance de ne pas d'avoir rencontré cet autre rôdeur. Je pense que sans lui, vous serez tous morts. Hein. Oui, sans. C'est vrai, lui, on ne serait pas là. Qu'est-ce que. Une question au MJ. J'avais réussi à dérober le carnet de Mirabar, mais sans jamais avoir le temps d'y jeter un coup d'œil. Mm-hmm. Il est resté sur mon poney, on est d'accord? Alors, non, pour le coup, tu peux l'avoir regardé sur toi, parce que je veux dire que comme vous avez été un peu en panique jusqu'ici, tu l'as certainement glissé dans ta sacoche. C'est-à-dire que tu as deux paquetages, tu as ce qu'il y a dans les fontes de ton cheval, qui est le gros de tes possessions, et tu as une sacoche qui est ce que tu voyages, ce que tu portes quand tu voyages, on va dire, à pied. La plupart des rôdeurs vont avoir juste ça. Les rôdeurs carpentent les terres, mais comme toi, t'es une rôdeuse plutôt sédentaire, t'as tendance d'habitude à rester à Bray. T'as plus de possessions, et du coup, tu voyages généralement avec des fontes sur un cheval ou sur un poney, et la sacoche habituelle. Cette sacoche, tu l'as encore, parce que tu la portes sur toi en permanence. Dedans, t'as pas grand-chose, t'as du matériel, et t'as les essentiels, donc t'as du matériel de soins, t'as des victuailles, on va dire, pour une semaine, et t'as quelques-uns des objets de ta profession. Donc notamment, t'as un petit peu de papier, un peu de fusain et
care plus que cela. Très bien. Donc tu peux effectivement avoir les carnets de Mirabar si tu me désires. Parce que je me souviens plus quand est-ce que j'avais piqué ce truc-là. Ah oui. Ouais, non, clairement, je pense que je l'avais chez moi, parce que, enfin, sur moi, parce qu'on était, on avait fait des fouilles. Et après les fouilles, j'étais revenu dans la chambre, et c'est à ce moment-là qu'on avait entendu du bruit, qu'on était parti dans le couloir, et c'est là que tout est parti, a commencé à partir en cacahuète. Oui. Donc, je pense pas spécialement avoir eu le temps de le mettre dans les fontes de mon cheval. Du coup, tu l'as certainement effectivement avec toi. Très bien. Bon. Je pense pas qu'il y ait des comptes dedans. C'est très intéressant. Mais... Tu peux l'ouvrir et l'étudier si tu le désires. Ça va te prendre un peu de temps. Pour l'instant, surtout, tu viens de retrouver tes compagnons. Et ouais, tu te rends compte que Rumil est en meilleur point que vous physiquement parlant. Mais autant... Otto a peur et est fatigué, mais il est principalement préoccupé par sa loutre. Féarod, il commençait à s'ouvrir dernièrement, vous commencez à sentir une franche amitié, une franche camaraderie. T'es consciente que cette camaraderie, t'es pas entièrement certaine qu'elle aille beaucoup plus loin. Quelque chose s'est brisé dans Féarod, ou du moins dans la confiance ou l'amitié qu'il pouvait y avoir entre vous. Est-ce que ça pourra être réparé? Tu ne sais pas. Rumil, elle, c'est encore autre chose. Il vous en veut à tous. Rumil, elle... Tu vas me faire un jeu d'intuition, s'il te plaît, plus cœur, tiens. Moi ? Non, Finduilas. Ah. Moi ? Intuition plus cœur ? Ouais. Pourquoi c'est tout petit, ce truc-là ? Hop. Yeah. Intuition plus cœur. Ok, alors. Je vais y arriver. Oui. 20. Très bien. T'as déjà vu ce genre d'expression chez des elfes? Généralement des elfes qui avaient connu un trauma important ou simplement qui quittaient la terre du milieu. Et c'est... Tu n'en as jamais vraiment fait expérience, tu n'as jamais l'occasion d'en parler avec un elfe toi-même, mais ça t'a déjà été écrit par ton ancien mentor. C'est ce qui arrive quand les elfes se rendent compte du déclin de leur peuple. L'espoir, le côté rieur, joyeux que l'on peut avoir chez les elfes d'Imladris ou du Lindon, ce côté joie de vivre, il est toujours fragile. Toujours à deux doigts d'être brisé, car plus que tout autre peuple, les elfes sont conscients d'être à la fin d'un âge. Et nombre d'entre eux se rendent compte ou pressentent que dans le prochain âge, il n'y a pas de place pour eux. Et tu es à peu près certaine que c'est quelque chose que Rumil est en train de comprendre. Ok. Ouais. Je demande un petit peu à Rumil parce qu'elle nous a raconté rapidement son périple, mais est-ce que je sais pas que lui dire là. J'ai envie de dire un truc réconfortant, mais je pense que t'as pas besoin de dire quelque chose, hein. Juste le fait de savoir que vous êtes en vie est assez réconfortant. Ok. C'est assez réconfortant. De temps en temps, les mots, c'est pas la meilleure chose à faire. Enfin, c'est pas toujours nécessaire. Nécessaire, voilà. En termes logistiques, est-ce qu'ils m'ont laissé des choses pour que j'ai un pactage pour survivre ou pas, les elfes?
Ils t'ont donné quelques vêtements, une tunique et une cape. Ils t'ont donné quelques victuailles pour 2-3 jours, mais sachant que tu partais avec l'un des rôdeurs, à l'origine, ils avaient prévu que tu voyages avec eux, du moins ce qu'ils avaient compris, donc ils n'étaient pas préoccupés de donner quoi que ce soit. Là, ils t'ont vraiment donné ce qu'ils avaient un peu sur eux, c'est-à-dire que l'un des suivants de Kenedriel t'a donné sa cape. L'un d'entre eux t'a donné son paquetage dans lequel il y avait effectivement un peu de victuailles et une chemise, une tunique de rechange, guère plus que cela. Là encore, ils ont parti du principe que tu partais pas seul, donc il y aurait certainement quelqu'un d'autre pour te fournir ce qu'il te fallait. Ouais, ok. Bah du coup, je sais pas ce que vous voulez faire, mais je suppose que vous voulez aller voir les rôdeurs pour faire un résumé de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est là, l'autre rôdeur, ou il nous a laissé un petit peu seul? Aldaran, il est là, mais il est en train d'examiner l'une des caches. Visiblement en train de faire un inventaire. Tu peux faire un jet d'intuition, plus esprit, s'il te plaît. Juste Rumi, du coup. Juste Rumi, oui. Enfin, tu es... La manière dont il s'agite, mais dont il s'obstine à ne regarder que ce qu'il a entre les mains, t'es à peu près certaine que... Il fait ça volontairement pour vous laisser de l'espace, pour ainsi dire, de la place, considérant que vous avez peut-être des choses à vous dire ou besoin de temps pour vous retrouver, ne voulant pas, comment dire, se faire intrus trop rapidement, car il aura certainement des choses derrière à vous demander, voire à vous ordonner. Sachant que Aldaran a déjà été mis au courant de toute l'histoire, et c'est pour ça qu'il nous a permis d'être ici et de nous reposer. D'accord. Du coup, vous avez prévu demain à l'aube de partir avec lui ou on y va seul? La question est de savoir ce que l'on va faire de manière générale. Rien n'a été décidé, sachant que... Dans tous les cas, moi, je vais passer devant les rôdeurs. On va y avoir un rapport à faire et... je sais pas si dans tous les cas, j'aurai forcément grand-chose à dire sur le choix de l'affectation que j'aurai par la suite. Moi je veux juste vous accompagner parce que du coup j'aimerais bien que cette affaire soit réglée d'une manière ou d'une autre, au moins que les rôdeurs soient au courant du danger, et puis une fois que ça sera fini, moi je vais rentrer chez moi, quoi. Pour le coup, ils sont au courant du danger, et pour ma part, je ne continuerai pas forcément sur cette mission. Quand on regarde l'état, en tout cas de l'équipe, je ne pense pas que ce soit une bonne idée non plus de continuer, ça c'est sûr. Après, ouais, c'est en soi, il y a Josephine Dulas qui a besoin de faire un rapport. Parce que tu m'avais dit, Romain, qu'ils allaient m'interroger. Ce serait peut-être bien d'avoir un peu vos témoignages à vous, au moins demain, histoire qu'il y ait une vision un peu complète, qu'on ait un peu tout le monde qui soit capable d'apporter sa pierre à l'édifice, mais ensuite, vous allez pouvoir repartir et faire ce que vous voulez. Moi, je pense que il reste toujours la mort de Malor et élucidée. Je suis la seule personne à avoir vu Berelas seul rôdeur à avoir vu Berelas. Je sais pas si c'est intéressant d'aller essayer de retrouver ses traces ou partir dans la direction générale dans laquelle elle est partie, mais... Ah, mais de toute façon, on peut pas la suivre. On est clairement pas dans une situation qui fait... Ah non, nous non, c'est sûr. Je pense que c'est plus à nous de nous en occuper. Enfin, plus à notre groupe de nous en occuper, mais... Non, mais là, faut juste finir l'affaire. Faut faire un rap. Enfin, je sais pas comment tu finis tes missions en général en tant que rôdeur, mais moi, je voulais juste vous voir sain et sauf et vous dire en fait mes adieux, parce que du coup, je vais retourner chez moi et je ne continuerai pas l'aventure. Comme on s'est un peu séparés sur pas des mots, mais sur des actions, je préférais vous dire des mots pour finir. Pour finir cette aventure. Du coup, moi, je pense... Enfin, je sais pas, je pense, c'est je vais partir à l'ouest. Si vous voulez venir avec moi, vous êtes les bienvenus chez moi, je pense. Et
si vous avez besoin d'un refuge pendant un temps, vous pouvez venir, on vous accueillera sans problème. Mais non, je ne continuerai pas cette aventure. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres compagnons, mais en tout cas pour Féarod, ça semble être un peu trop comment dire, diplomatique comme échange par rapport à tout ce qui a pu se passer d'ici là. Et Féarod, je pense qu'à un moment donné, il poussait un peu un coup de gueule, surtout au moment où Rumil a dit « Comment tu fais pour tes missions, pour finir tes missions ?» Je pense que Féarod a dû dire à Findulas « Oui, parlons-en, comment tu fais pour mener tes missions ?» Pour qu'on se retrouve dans les galgales en pleine nuit. Il te fait engueuler. Ouais, je pense que c'est un peu le moment où... Féarod, dans son coin, voit quand même l'état de l'équipe. Entre une qui a clairement plus envie de rester sur cette terre en regardant Rumil, Findulas qui nous a mené au danger, et Otto qui est blessé, alors que bah, typiquement, c'est un enfant, quoi. Donc ouais, c'est un peu le moment coup de gueule. Et quand tu parles d'adieu, notamment... Rumil, ça fait un peu allez, salut, moi je me barre, démerdez-vous. Alors que clairement, Féarod a toujours pas digéré le bain de sang qu'il y a eu au poney sanglant, du coup, maintenant. Quand on a tailladé un nain, plutôt que d'appeler un médecin ou d'essayer de lâcher l'affaire, quoi. J'ai pas dit « Allez, salut, je me barre », j'ai juste dit qu'après que Finduas... Pouvez-vous tous, s'il vous plaît, me faire un jet de corruption ? Ah. Ouh là là. C'est quoi un jet de corruption, déjà ? Alors, un jet de corruption, c'est... Tu prends ton score total d'ombre. D'accord. Tu lui retranches... ton score total d'espoir, pardon. Tu lui retranches ton score total d'ombre, et c'est le nombre de D10 que tu lances. Si ça fait 0, tu lances un D10. Pour réussir, il faut faire un 10. Ah, mince. Donc on divise par le nombre de... Non, tu retranches. Tu retranches, donc tu soustrais. Ah bon. Donc dans ton cas, tu l'as... réussi. Effectivement, Finviela, c'est réussi. Incroyable. Attends, non. Non, non. Oui, c'est Rumil, tu t'es planté. C'est-à-dire que tu prends ton nombre actif, donc 0, tu lui retranches ton nombre, 4, et c'est donc 10 que tu lances. Mais du coup, c'est moins 4. Je peux pas lancer. Et c'est ce que je disais, si c'est 0 ou moins, tu lances minimum 1 dé. Ah, ok. Oh là là, comment j'ai fait ça? J'aurais tellement dû faire ça plus tôt. Effectivement. J'avais pas fait gaffe sur le fait que vous êtes quand même 3 à avoir 0 d'espoir et 1 qu'à 2. Ouais, moi j'ai 3. J'ai 2, ouais. Quoi? Attends, non, j'ai pas fait le bon. Non, faut que tu lances 1 dé aussi. Toi t'as 3, effectivement. Oui, non, pardon, il y en a 2 qui ont 0 et vous êtes tous mélancoliques. Oui. Donc, du coup, c'est 2, c'est ça que j'ai? Du coup, non, puisque tu as 2 d'espoir. Mais tu lui retranches tes points d'ombre, à savoir 3, donc ça fait 0. 3. Du coup, tu lances un dé. Ok. Ça change. Donc effectivement, tout le monde, sauf Finduilas, échoue. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous êtes dépité, vous êtes déprimé. Vous n'êtes pas en état d'accepter que vous ayez commis des torts. Les griefs et les douleurs de ce que vous venez de vivre sont trop présents à votre esprit. Le sang, la souffrance, la douleur physique comme émotionnelle. Certes, vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Mais il y a une partie de vous, à ton exception peut-être Finduilas, en tant que Rodeus, t'es plus accoutumé à simplement savoir que bah, parfois, il n'y a pas de victoire possible, c'est juste on essaie de mitiger la défaite. Mais que ce soit Féarod, Rumil, ou en particulier Otto, parce que bah, Otto, déjà t'as fait un échec critique, mais surtout, toi t'es parfaitement innocent, il y a une partie non négligeable de vous qui se dit « Si j'avais pas rencontré ces gens, je serais heureux. » Et là, vous l'êtes pas. Ah ouais, du coup, on se déteste, quoi. Détester, non, mais là, vous sentez commencer à monter une colère et des frustrations qui vont certainement vouloir s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Féarod est clairement en colère, en tout cas, ça c'est sûr. Bon, sauf pour Ao qui n'est pas là, mais...
Sinon, là, il y a des reproches pour tout le monde. Ouais, moi, je franchement, je pense pas que c'est en remuant le couteau dans la tête, ça va changer quelque chose, en fait. Mais bon. Franchement, j'en ai rien à faire que tu sois énervé ou que tu me gueules dessus. Je suis en mode... Je regarde plus vers le... Vers, ok, il y a eu des torts, mais... Je veux laisser cette affaire de derrière moi, parce que clairement, j'en ai ma dose. Et même si tu continues à me dire, ouais, c'est de ta faute, je dis, bah oui, c'est de ma faute. Et alors ? Pas une question de dire c'est la faute d'eux, mais c'est plutôt de comprendre comment on a pu en arriver là à un moment donné et comment, en se disant je vais y arriver alors qu'il n'y avait pas les compétences, il n'y avait pas le matériel, il n'y avait clairement pas les étoiles alignées, comment se jeter là-dedans. C'est-à-dire qu'en tant que guérisseuse, le fait même de se dire ok, là c'est clairement pas à moi de faire cette opération, par exemple sur le nain. C'est pas le bon moment où j'ai besoin d'aide. Reconnaître effectivement ses compétences, les moments, les outils, etc., pour ensuite faire quelque chose dans... qui soit juste. Clairement, là, ça n'a pas été fait et c'est plutôt. Oui, mais cette variable de juste, peut-être c'est ce que toi tu penses. Moi, je pense pas la même chose que toi. Moi, je voulais le sauver et j'ai voulu tout faire pour le sauver, c'est tout. Oui, mais toi, justement, tout n'a pas été fait pour le sauver, puisque la situation n'était clairement pas favorable pour le sauver. Et au lieu de prendre le maximum de sécurité pour le sauver, c'était « je pars bien en tête et j'y vais ». Je pouvais prendre la sécurité, c'était une question de temps. C'était soit je faisais ça, soit il mourait. Il n'y avait pas le choix. On aurait pu appeler un médecin, on aurait pu aussi laisser. Et quitte à ce qu'il meure quand même avec un peu plus de, comment dire, vaillamment. Que de se retrouver dans un bain de sang, dans des souffrances atroces. Je suis d'accord que j'ai pas reconnu mes limites et que j'aurais dû m'arrêter la première fois où il était en train de souffrir. Mais si tu dis qu'il fallait chercher un médecin, pourquoi toi t'y es pas allé ? C'est aussi à la personne qui sait ce qu'elle fait et qui est capable de jauger ses compétences de le faire. Ou en tout cas d'accepter. Quand effectivement j'ai proposé le médecin ou j'ai proposé de ne pas intervenir, on m'a dit non, on y va. Et je me suis lancée dedans quand j'ai vu que Otto allait être mis à contribution sur une tâche qui n'est pas supposée être ce que lui doit faire. Pour moi, Otto est encore un enfant, il n'est pas du tout apte à un certain nombre de choses et clairement pas à assister à une boucherie comme ça, à cœur ouvert. Dans une chambre d'hôtel. Ouais. Et là, Otto se met à pleurer parce qu'il a l'impression d'entendre papa et maman s'engueuler. Et dans ses pleurs, il finit par dire « Je savais pas qu'il fallait que je dise oui quand on m'a demandé si je voulais aller en médecin. Je savais pas. » Là, je pense que je me retourne contre Otto du coup. En fait, le souci, c'est que moi, je pensais le sauver. Je pensais pas que j'allais le tuer. Je suis d'accord que l'opération n'était pas quelque chose que tu montres à tout le monde. Le fait qu'Otto se retrouve dedans, c'était pas volontaire. Mais pour moi, j'allais le sauver. Je pensais pas le tuer non plus. C'était pas mon but. Il arrive que de temps en temps, il y a des opérations qui tournent mal. Et malheureusement, c'était une opération qui a mal tourné. Alors, si elle dit « et c'est tout », je pense que c'est le mot de trop pour perdre. Ouais, c'est tout, tu rigoles. On est rayé de l'Arnor. En plus d'avoir tué un innocent dans d'atroces souffrances, on est rayé de l'Arnor pour être parti plein de sang et tout. Otto pleure encore. Ça ne s'est pas arrêté. Bruyamment. Ouais. La Féarote se retourne contre Otto et lui dit « Toi, t'aurais pu au moins avoir un peu la présence d'esprit de dire oui quand on te demande si t'as besoin d'un médecin ou avoir la présence d'esprit de ne pas obéir au doigt et à l'œil à tout le monde. Mais j'en ai cherché une ici. Pour le danger comme ta loutre. J'allais chercher une style.
Ouais, justement, en disant ça, j'avoue que je suis juste allée chercher une scie à os. Justement, apprends qu'une scie à os, ça ne se demande pas comme ça. Je crois que c'est la première fois que Finduilas a autant de détails sur ce qui s'est vraiment passé dans cette chambre. C'est vrai que t'étais pas là, en plus, t'es vraiment... T'étais pas là, moi, quand je suis revenu, t'as fait Harod qui partait en gueulant comme un putois avec les bras pleins de sang. Je suis tombé sur une scène assez dérangeante. Ah, c'est qu'elle dit, oui. Donc, Finduilas, là, elle est... Bon. Et je me retourne contre Finduilas maintenant. Dès que quelqu'un intervient, et toi tu n'as rien fait, c'est ton tour maintenant. Comment ça, j'ai rien fait? Explique-moi, bah justement, tu n'as rien fait, c'est bien le problème. Qui est supposé connaître les lieux et nous a emmenés dans des coins pas possibles? Qui nous a fait traverser les Galgal en pleine nuit? Traverser un étang sombre avec des formes spectrales, comme s'il n'y avait rien, alors que c'est justement l'endroit qui a été rappelé par ton cousin quand on l'a croisé, l'endroit qu'il fallait éviter à tout prix et surtout de nuit. Je tiens à dire que j'étais absolument contre cette option jusqu'à ce qu'on décide collectivement que finalement c'était la meilleure option. Moi, la seule option que j'avais émise, c'était effectivement se rapprocher des Galgal, mais je ne pensais pas y rentrer, je pensais rester à l'extérieur jusqu'à la levée du jour. Quelque chose à dire pour ta défense? Dieu, là, c'est un trou de mémoire. Mais je... j'étais là, moi. Attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'est toi qui avais décidé de t'aventurer dans les Galgal, précisant que c'était nécessaire. Parce que c'était d'urgence, tu savais qu'il y avait des rôdeurs, il était important qu'ils sachent le plus vite possible ce qui s'était passé. C'était ça. Pourquoi je l'ai pas noté, c'est une autre... On sait pourquoi tu l'as pas noté, hein. Oups, désolé, j'ai oublié. Allez tous crever. Du coup, merci pour la corde lancée qui a servi absolument à rien, d'ailleurs. À part m'assommer et me donner encore plus de fatigue dans le total de mes points. Et pour le coup, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. Ça a été juste un petit peu long aussi de voir à quel point un compagnon de quelques longues dates maintenant attend patiemment que la personne se noie avant de lui prêter patiemment main forte. Comment ça, patiemment? Plutôt une, déjà, main, une corde main forte. D'abord, faut prêter main forte à Otto. Ensuite, faut essayer de comprendre ce qui se passe. Otto était hors de danger et c'était trop long pour intervenir. Demandez, alors, quelle est la situation? Qui est en train de se noyer? Irinon, ah tiens, il est en train de couler, il est attaché. Avant de sauver ses compagnons d'abord. C'est quand même plus important. Du coup, question confiance, ça va être compliqué. De toute façon, tout le monde est plus ou moins décidé de rentrer chez soi, non? Ah bah oui. Dans tous les cas, rentrer. Pour ma part, je suis dépouillée, j'ai plus rien. J'ai laissé mes armes dans l'eau, j'ai laissé aussi mes forces dans l'eau, je pense. Et la confiance est partie aussi de sentir le danger et finalement d'avoir personne pour être secouru, c'est quand même assez douloureux à encaisser après tout ce qui a pu se passer. Et on a suivi quand même l'aventure d'un rôdeur pour des histoires de rôdeurs. Nous sommes allés avec toi, Finduilas, et finalement se retrouver comme ça, proche de la noyade, en pleine nuit, dans l'endroit le plus dangereux. J'avoue que c'est pas le meilleur... Team building. Ouais, alors là... C'était compliqué, d'où. Effectivement. Mais Mmh.
Il est quelle heure, là? L'aube vient de passer. Il est 9h. Ah. Et on peut bientôt aller chercher ma loutre? Non. Pourquoi? On m'a dit quand il ferait jour. Je sais pas si on voit le jour de toute façon poindre, mais dans tous les cas, il faut qu'on attende le signal ou la... Ouais, le signal de d'Aldaran sortir. En tout cas, moi, je remets ma confiance à cet homme qui nous a sauvés et qui a l'air de bien connaître les lieux et, pour le coup, préfère protéger les vivants que laisser les morts faire leur travail et... comment dire, déjà ce que je reproche aussi à Findula, c'est d'avoir profané ce lieu de spectre. Que ça fait plusieurs fois qu'on profane, et là surtout les Galgal en tant que Rohirrim, pour moi c'est aussi quelque chose qui m'est insupportable d'être allé affronter des spectres, les avoir dérangés en pleine nuit et finalement avoir osé risquer la vie de vivant et se mettre dans la gueule du loup par rapport à des spectres, ça c'est quelque chose que Perrod a du mal à digérer aussi. Donc du coup je fais confiance à Aldaran et quand il me dit de rester à l'intérieur, je lui fais confiance. Parce que lui protège les vivants et n'hésite pas à désinguer les ancêtres s'il le faut. Mais en tout cas, il sait qu'il faut rester bien au chaud quand c'est les spectres qui retournent à la vie. Et laisser le moment aux vivants, par contre, de reprendre leur place lorsque le jour pointe. Donc là, si c'est pas le moment, je reste à l'intérieur. J'attends son signal. Otto se rassied, il se renfrogne et il commence à bouder. Parce que Ferrod commence à lui courir un peu sur le haricot, à pas vouloir aller chercher à haut et à se plaindre pour deux pauvres armes qu'il a perdues. Ambiance. Moi en fait je suis en train de me dire que je voulais vous retrouver pour vous dire que j'étais en vie, mais là je suis en train de me demander si je peux encore rattraper les elfes. C'est une véritable question, que fais-tu? Bah justement, j'aimerais bien savoir si je serais capable, là comme il fait jour, de retrouver mon chemin toute seule pour les rattraper si je me dépêche. Les rattraper, oui, ils se déplacent lentement, tu l'as vu, ils prennent leur temps. Techniquement, là, les Havres Gris, c'est à peu près 2 semaines de voyage à pied. De ce que tu avais cru comprendre, ils n'avaient pas prévu d'y arriver avant genre 2 ou 3 mois, ils prennent leur temps. Ils n'ont pas de calendrier, c'est juste inexorablement et lentement, ils se dirigent vers les Havres Gris. Donc je suis certaine de pouvoir les retrouver, peut-être pas de jour s'ils ont caché leur campement, mais en attendant de nuit, en cherchant un peu, en avançant toi-même tranquillement, tu peux certainement les retrouver. Bah du coup, moi je vous dis qu'est-ce que vous voulez faire, et si vous ne voulez rien faire et que vous continuez à vous engueuler comme ça, moi je me casse et je me reprends ma maison. Je veux retrouver Ao. Bah, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, elle est où, Ao? Et j'explique rapidement à Rumil, du coup, que j'ai essayé de protéger Ao, je l'ai gardée contre moi, mais j'ai dérapé, et du coup, elle a pris peur, et elle s'est enfuie alors qu'on se faisait attaquer. Du coup, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, et peut-être elle a peur, peut-être elle a faim, et comment est-ce que moi je la retrouve dans un endroit comme ça? C'est un endroit tout pourri, en plus, hein? Et je... Zut! Voilà. T'as pas un moyen de l'appeler? Un sifflement ou quelque chose comme ça? Ben si, mais on a trop marché. Il faudrait que je puisse aller là où on était tout à l'heure pour pouvoir essayer de la récupérer. Elle m'entendra jamais d'ici. Moi je suis chaud pour y aller, mais j'ai aucune arme pour me défendre s'il y a quelconque problème. Est-ce que c'est encore le... Avec l'aube, est-ce que c'est le moment vraiment de sortir? Je sais pas qu'est-ce qu'il dit, l'autre odeur, j'arrive pas à retenir son prénom. Aldaran. Aldaran.
Aldaran, si tu l'interpelles, il te répond que non, c'est que pour lui, les règles des hauts des Galgal sont très claires. Tout intrus, et des intrus vous êtes, doit être maintenu en détention jusqu'à ce que des ordres viennent du capitaine. Et il n'a même pas encore eu l'occasion d'envoyer un message au capitaine, donc pour lui, vous restez là et vous bougez pas. Si jamais je pars, il m'empêchera de partir. Il te regarde un instant et te répond que non. Il ne peut pas t'empêcher de partir. Tu n'es pas venu en intrus, tu as été invité. Ah, je ne suis pas une intrus, eux c'est les intrus par contre. Eux, ils ont pénétré sans autorisation, sans invitation, ils ont deux nuits dans les Galgal. Finjula, ça a beau faire partie de son peuple, elle connaît les règles. Ils se sont mis eux-mêmes en danger, ils ont risqué de réveiller et de rendre plus puissantes des choses qui sont dangereuses. Ils l'ont mis lui en danger et l'ont forcé à quitter sa cachette. Oui, ouais. Ils ont des comptes à rendre. Eux, ils partiront D'accord. pas. Toi, il ne peut pas t'empêcher de partir. Mais il sait que le capitaine aura certainement des questions à te poser. Donc si tu pars, attends-toi à avoir des... à être convoqué ou à recevoir un message. Non, je vais attendre avec les autres. Et comme ça, plus vite, je me démarre. Enfin, que plus vite... Je vais pas laisser... même si faire me saoule, je vais pas laisser Otto... Surtout Otto. Je pense que Otto, c'est un peu le... Et du coup, je lui demande quand il a trouvé les autres, c'était loin, et s'il pense que je suis capable de chercher Otto. Quoi. Ce n'est pas très très loin, c'est que vous avez marché peut-être une quinzaine de minutes depuis le lieu où le combat avait eu lieu, jusqu'à ici. Donc c'est quelques centaines de mètres. Par contre, le truc, c'est que c'était de nuit, donc t'es absolument pas certain, Otto, ni même Fairrod, d'être capable de reconnaître là où ça s'est passé. Et est-ce qu'il serait d'accord de me laisser moi aller chercher, enfin me montrer où c'était, et me montrer le chemin, puis qu'il retourne à la cache, et je cherche à où moi-même. S'il vous plaît. Non, c'est... Il ne peut pas laisser quelqu'un s'aventurer seul dans les Galgal, même de jour. C'est que en compagnie d'une escorte, rôdeur ou rôdeuse, oui. Seul, non. C'est que tu risques de réveiller des choses, d'éventuellement être en danger. Lui, il faut qu'il parte rapidement pour aller faire un rapport, pour transmettre un message et faire venir le capitaine ou un émissaire du capitaine. Il peut pas t'accompagner. D'accord. Et ok. Bon bah. Et du si moi je l'accompagne. Toi t'es coupable. Toi, sachant t'es que dans tous les cas, dans tous les cas, moi je reviens ici et je peux absolument pas me soustraire à ce qui m'attend. Il hésite un instant et puis. Et qu'en plus j'ai beau avoir fait des bêtises récemment. Tu vois ses épaules qui se soulagent et qui s'affaissent et il dit ben. Je ne peux pas te laisser partir, du moins pas sans. Bien. Pas sans une promesse. Un serment. Aucun problème à donner une promesse. Alors, tu sais que ce qu'il te demande, c'est pas juste de donner ta parole, c'est une promesse sérieuse et sacrée, le genre de promesse où si tu la romps, quelle que soit la raison, ça aura des conséquences. Je pense que. C'est juste pour aller retrouver une loutre et revenir un peu plus tard. Très bien. Finjula, elle voit aucun problème à faire une promesse solennelle là-dessus. Très bien. Tu promets en effet, sur les Valar et sur le nom de tes ancêtres, que tu ne t'aventureras à l'extérieur de cette cache que pour retrouver la loutre de ton compagnon, et que si vous ne la trouvez pas dans la vallée depuis laquelle vous êtes venu, vous ne vous aventurerez pas plus loin. Oui. Et que vous reviendrez ensuite dans cette cache. Je ferai attention qu'il tienne sa promesse. Je tiens à préciser que mes ancêtres, c'est aussi un peu les siens, mais bon. Oui. C'est pour ça que c'est d'autant plus important pour lui que tu tiennes ta promesse. Otto se lève et dit « Je viens avec vous ». Je pense qu'effectivement,
En soi, je pense que si c'est Otto qui l'appelle, elle a plus... Si jamais elle a encore envie et qu'elle s'est pas fait bouffer, c'est un peu la seule... Je peux pas dire ça comme ça. Alors donne-moi deux secondes pour que je lance un dé pour savoir si elle s'est fait manger. Oh non, René, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais moi j'avais compris qu'elle était morte en fait. Mais non. Je vais pas dire. Non. Ma loutre. Satisfait de ton serment, Aldaran, donc jeta un dernier regard et vous dit, voilà. Une fois que vous aurez trouvé la loutre, quel que soit son état, revenez ici et attendez. Je devrais être de retour si tout va bien avant la fin de la journée. Est-ce qu'il pourrait juste me prêter s'il a une petite dague ou un truc comme ça au cas où j'ai des armes sur moi? Non, toi tu n'as rien sur toi. t'as ta dague avec toi, c'est à peu près tout. Il me semble. Je vais vérifier, mais je crois que t'avais perdu à peu près tout sauf ça. Oui, c'est ça. T'avais perdu ton épée, donc je vais te l'enlever. T'avais perdu ta lance. Il reste juste ta dague. Ok, bah du coup, si j'ai une dague, ça va. Mais bon. Il reste juste ton cure-dent. C'est ça. C'est ça. Donc effectivement, il disparaît rapidement. Mais, discrètement, et vas-y, Findulas, faut pas qu'on perde de temps. Plus vite on y va, plus vite on cherche, mieux ça. Très bien. C'est parti. Vous redescendez dans la vallée, naviguant précautionneusement le pierrier au sein duquel votre cachette se trouve dissimulée, et arrivant à l'endroit où, alors, finalement, c'est pas si difficile que ça de retrouver les lieux du combat, simplement parce que on y trouve les traces de sang. Pas de corps et pas de cadavre, aucune trace des choses qui sont mortes dans le combat, mais le sang est bien réel et vous rappelle que non, vous ne l'avez pas rêvé. Il y a bien eu une lutte ici, une lutte mortelle, qui plus est. Vous regardez autour de vous, et vous allez me faire un jet de fouille plus esprit ou de chasse plus corps, au choix. Clairement fouille plus esprit. Fouille plus esprit aussi. Moi je vais faire chasse. Hop. Donc 26, 21. Oui, plus esprit. Bibi. 24, ça donc. Ça se bien. Sachant que Findulas, c'est un échec, donc c'est un échec critique, parce que mélancolique. Mm-hmm. Ah, c'est un échec. Remis le aussi, d'ailleurs. Oui, le seuil est à 25. Donc, Dommage. Oui. Oh yeah. Autour. Je penserais bien à un bras d'espoir pour relancer, mais bon. Mais t'en as pas. Ah oui, et d'ailleurs, vous pouvez tous virer, vous pouvez tous vider votre réserve de communauté. Ah oui. Vous n'avez plus accès aux points de communauté. Okay. Il y a trop de disententes et de mésententes dans le groupe pour que vous puissiez puiser dedans pour l'instant. Il me manque le jet de Ferrod. Mais Ferrod, il est pas venu, si? Ouais, Ferrod, il est pas venu. Ah, il est pas venu, finalement, d'accord. Très, je n'avais pas vu ça. Vu comme ça s'est passé, je crois pas qu'il ait très envie d'aller aider. Même s'il aime beaucoup Ao et Otto. Il est trop vénère. Ouais, j'ai pas eu l'impression que ce soit tout le groupe qui était remonté, mais plutôt, Ferrod qui était remonté contre les autres, et les autres qui se sont pas particulièrement excusés ou autres, qui étaient un peu en mode, bah, désolé, mec, t'es vénère, nous, c'est vous êtes égal. Du coup, il est resté. Le drame. Donc effectivement, Ferrod, tu as décidé de rester en arrière pour que tes compagnons sortent pour aller chercher. Vous commencez à fouiller la zone. Otto, d'une voix un peu faible et peu confiante, tu appelles à Ao, espérant que ça suffira, qu'elle n'est pas partie trop loin, qu'elle n'est pas, pire encore, partie dans la vallée d'à côté. Difficile à dire, t'explores, vous fouillez toutes les traces possibles, vous examinez le sol, et puis, alors que vous commenciez lentement à perdre espoir, tu remarques Otto sur un endroit qui semble être un petit peu trop hors de portée pour que ça ait été un ennemi, et t'as pas souvenir que l'un d'entre vous était dessus, une petite traînée de sang qui monte sur un rocher et disparaît sur une espèce de promontoire derrière.
Je suis la trace. Tu suis la trace, effectivement. Tes compagnons, rapidement, voyant que t'as repéré et relevé quelque chose, t'emboîtent le pas. Tu escalades avec un peu de difficulté le rocher. Et derrière, tu te trouves sur un petit aplat, un tout petit plateau en promontoire de quelques mètres de large. L'herbe y est épaisse. Tu t'avances de quelques pas. Dans l'herbe, il y a une masse sombre, affaissée, immobile. Son poil est long. Tu te jettes dessus. Tu commences à caresser le poil, sentant les larmes venir. C'est gros. C'est plus gros qu'Ao. Oh. Son flanc est entièrement couvert de sang. Une longue entaille juste en dessous de la gorge. Une trace de morsure, certainement, de griffes peut-être. Tu examines plus près le corps. Tu repousses le poil long qui couvre une grande partie du museau. Ce n'est pas Ao. Ça ressemble à une sorte de chien sauvage. Le poil long et mat, complètement noué de saleté, le croc long et récurvé, luisant d'une sorte de fange certainement toxique, très certainement l'une des bêtes qui vous a attaqué hier soir. Et c'est potentiellement une victime d'Ao, du coup ? Peut-être. Ao Garou. Ben, je continue à chercher tout autour pour essayer de voir si je retrouve une trace de ma loutre. Est-ce que je peux faire un jet de médecine sur le corps? Tu peux faire un jet de médecine plus esprit, oui. Dans le chat, il y en a qui demandent est-ce qu'ils peuvent voter pour retrouver la loot parce qu'il faut du bien. Ouais, j'avoue que là... Taper 1 pour la retrouver, taper 2 pour... C'est ça, là, je l'aurais mis. C'est écrivez A pour retrouver la loot, écrivez B pour la loot a été mangée. Et il y a Ramoneur qui spam A. Mais purée, c'est quoi ces G? Remil, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Genre, clairement, c'était une attaque animale parce que la créature a eu la gorge arrachée à coups de dents. Après, quel type d'animal? T'en as aucune idée. Pour le coup, tu sais vraiment pas. Vous poursuivez. Trou, là. Vous suivez la trace, effectivement, cherchant aux alentours des signes de ce qui a pu se passer. Vous repérez une seconde traînée de sang un peu plus fine qui se dirige vers un bosquet d'arbres noueux, aux racines complètement enchevêtrées. Certaines d'entre elles sont brisées, formant des sortes de passages de petite taille, bien loin d'être assez grands pour que vous puissiez passer, mais une petite créature peut-être. Puis tu t'approches et autour tu vois une silhouette sombre recroquevillée à l'intérieur, frissonnant très légèrement. Tu regardes d'un peu plus près, le flanc s'élève et s'affaisse très lentement, mais en dehors de cela, elle ne semble pas bouger. Je prends ma voix la plus douce possible, je m'approche le plus doucement possible et j'appelle ma loutre. Tout doucement. Tu appelles ta loutre, effectivement, avec tout le cœur et tout l'amour dont tu es capable. Et il te répond depuis l'intérieur des racines, une sorte de petit. Comme un petit miaulement fatigué et épuisé. Bon. J'essaie d'approcher ma main et doucement de mettre ma main à l'intérieur des creux qu'on peut avoir. Pour essayer de voir si je peux pas l'attraper. Mais tout doucement. Tu tends ta main. Je tiens à te faire savoir, par ailleurs, que Tréo veut que Ao meure. Hein. Voilà, tu sauras... Quoi voilà. Mais quel... C'est pas mon... Il a voté pour que la loutre. Voilà, lui, tu sauras qui... de quelle personne tu dois aller hanter le sommeil. Mais oui, enfin. Merci, un bonheur. Ça ne touche pas moi, tout va bien. Tu tends effectivement la main à travers les racines. Tes doigts rencontrent du poil. Il est humide, mat, d'eau, de sang, d'autres choses, tu ne saurais pas dire. Ça t'inquiète en tout cas, mais bon. Ça ne semble pas réagir et tu sens un petit coup de langue sur ton pouce. Oh. Je l'attrape tout doucement et je la fais sortir le plus doucement et le plus précautionneusement possible. Tu la prends tout doucement et petit à petit. T'as d'abord le museau, puis la longue tête effilée. Tu vois effectivement
Ao qui apparaît tenue dans tes mains, à moitié roulée en boule toute petite, son poil luisant de ce que tu vois maintenant être du sang. Elle a le poil bien imbibé de sang. Elle a l'air assez faible, mais lorsqu'elle te voit, elle lève le museau, elle lâche un petit miaulement, puis laisse retomber sa tête, visiblement de fatigue, et te lèche simplement l'intérieur de la paume. Ok. Je fais une protection avec mes mains, genre il y a une main en dessous d'elle et une main sur le côté, et je m'avance tout doucement, mais de manière déterminée, vers Rumil, et je montre la loutre à Rumil. S'il te plaît. Bah, je vais essayer, je vais l'examiner, mais j'ai pas le matériel pour la soigner, malheureusement. Oui, il y a une scie à os. Mais tu peux au moins essayer de voir dans quel état elle est. Oui, bah, je peux. Du coup, je fais un jet de guérison. Du coup, tu fais un jet de guérison plus esprit, s'il te plaît. Ça pète un câble dans le chat. On est marre. Oui, le chat veut sauver la loutre. Ils veulent. Tu as remarqué qu'ils sont beaucoup plus motivés pour sauver la loutre que pour vous sauver vous. Il y a deux sessions quand fallait que vous vous sauviez, il n'y avait personne. C'était non, mais laisse les wipe, laisse les mourir. Genre vraiment, ce chat de. D'amoureux des animaux hardcore. Très bien. Tu examines rapidement, donc Rumil, effectivement, à haut. Elle n'a pas l'air d'être en danger de mort, mais elle porte de nombreuses blessures. En travers de son corps, il y a des traces de griffures, certainement des traces de combat. Aucune d'elles n'est profonde, mais elles sont toutes suffisamment longues pour avoir fait jaillir du sang, ce qui explique certainement une partie du sang qui matisse, on va dire, ses poils. C'est pas suffisant pour tout expliquer ça, bon, dessus, il doit y avoir du sang qui n'est pas à elle. D'autant plus que quand tu examines sa bouche, elle a les crocs couverts de sang. Elle est certaine, ses jours ne sont pas en danger, mais elle est certainement épuisée d'avoir simplement perdu du sang, d'avoir certainement combattu. Elle a besoin de repos. Elle a besoin d'être nettoyée complètement. Elle a besoin de chaleur, surtout. Et elle a besoin de manger. Du coup, face à ça, je prends ma cape et je fais une sorte de sacoche que je mets autour de Otto pour mettre la loutre dans la sacoche, contre son torse du coup. Et je lui dis de la tenir, comme ça il faut qu'elle reste au chaud et il faut qu'elle se repose. Et comme ça elle peut se reposer tranquillement. D'accord. Un truc bien safe pour pas qu'elle tombe. Otto suit scrupuleusement les instructions de Rumil. Et commence de lui-même à partir, à trotter un peu en direction de la douillienne. Et ouais, il va falloir la laver. Mais en soi, elle est hors de danger, je pense. Effectivement. Donc, vous. Otto n'a plus d'yeux que pour sa loutre. Hein. Vous trottinez, effectivement, aussi vite que possible en direction de la cache. Et Féarod, tu les vois quelques instants après reparaître. Otto ouvrant la marche avec. Une loutre recroquevillée dans les mains. Petit bébé. Oui, et il commence à s'affairer pour la mettre le mieux possible. Il essaie de trouver un peu d'eau, il essaie de lui trouver un petit bout de fromage qui traîne encore, des choses comme ça. Alors, il reste pas grand-chose, du coup, t'es vite obligé de taper dans... Chez moi. Dans les réserves des rôdeurs. Dans les réserves des rôdeurs, tu fouilles partout, tu déranges complètement la cache. Tu prends des armes et tu les jettes parce que bah, c'est pas de la nourriture. Donc vraiment, tu fous le boxon le plus astral. Mais tu finis par trouver effectivement un peu de nourriture que tu parviens à lui faire manger petit à petit, tout en lui faisant siroter un petit peu d'eau dont tu imbibes un linge et tu lui fais tiens, bois, ça va aller mieux. Et effectivement, tu perds complètement conscience de tes compagnons, étant absolument et entièrement concentré sur ta loutre, qui, après avoir effectivement mangé quelques morceaux et lapé un petit peu d'eau que tu as fait verser dans la bouche à partir du torchon imbibé, s'endort dans tes genoux, en travers de tes genoux. Elle semble hors de danger. Oui.
Lentement, une partie de la tension qui vous anime redescend. Vous commencez à sentir la fatigue revenir, à sentir qu'il ne vous reste plus grand-chose d'autre à faire que d'attendre, et, eh bien, s'il faut attendre, autant se reposer. Que faites-vous ? Il vous reste une bonne partie de la journée devant vous, vous le savez. Et Aaron dort. Il fait en sorte de dormir, en tout cas. Que se reposer, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Ouais. Bah, je vais quand même essayer de soigner Otto si possible, si on essaye un petit peu le matos. Ao ou Otto ? Ao. Ah. Et, est-ce qu'on a des bandages ? Je pense pas. Hein. Non, je crois pas. Vous avez des bandages rudimentaires dans la cage des rôdeurs, mais c'est des bandages pour humains, c'est-à-dire qu'il faudrait les déchiqueter et les déchirer encore plus pour pouvoir s'en servir. Bah, déjà, je dis à Otto qu'il faudrait qu'il la lave un petit peu, qu'il lave à eau, et qu'après qu'il ait lavé, si possible, il faudrait mettre des bandages autour de ses plaies, mais c'est juste pour éviter que ça s'infecte, quoi. Otto fait tout ce qu'il faut pour sa loutre, il n'y a pas de souci. Il la lave petit à petit pour pas trop la déranger pendant qu'elle dort, etc. Et je pense qu'une fois qu'il a fini de s'en occuper complètement, il va s'en figer faire un gros, gros dodo avec sa loutre contre lui. Parce que trop d'émotions. Et du coup, moi je vais me caler aussi, m'asseoir pour me reposer. Et je pense que du coup, après avoir retrouvé Otto, enfin Ao pour Otto, que maintenant, enfin bon, on va attendre le prochain, le rôdeur. Je sais pas combien de temps il va prendre pour venir, mais qu'après qu'il nous, enfin que j'ai été interrogée, moi je partirai pour rejoindre du coup les elfes, et du coup je vais pas trop tarder. Chacun donc se retranche effectivement dans son coin et dans ses pensées, essayant de trouver tant que faire se peut un peu de repos en attendant plus de nouvelles. Vous sombrez sans grande difficulté dans le sommeil, en particulier donc Féarod, Otto et Findulas, qui êtes complètement rincés et épuisés. Vous êtes réveillé, du moins Remil, toi qui étais plus dans une demi-inconscience, à moitié perdu dans tes réflexions et à moitié en train effectivement de sommeiller du sommeil des elfes. Vous êtes réveillé après la nuit tombée, vous ne savez pas exactement quelle heure il est, t'as pas trop fait attention à la lumière qui petit à petit déclinait et finit par disparaître, par l'arrivée de Aldaran, qui referme la porte de la cage derrière lui. Bien. Il vous réveille. D'abord toi, Finduilas, te réveillant d'une secousse sèche à l'épaule, sans véritable ménagement ou considération pour tes sensibilités, avant de faire de même avec Féarod et avec Otto, avec un peu plus de précaution, notamment envers Féarod, qui, rappelons-le de vous tous, est celui qui a le plus l'air d'un guerrier, et qui est potentiellement un peu plus intimidant, ou qui pourrait avoir des réflexes, on va dire, dangereux. Lorsque vous êtes réveillé, tandis que vous émergez tranquillement, Otto, toi, tu observes Ao immédiatement. Elle a l'air d'aller un petit peu mieux, elle est encore très très léthargique, bien très loin de son énergie et sa jovialité, on va dire, habituelle. Mais, eh bien, ça semble confirmer ce que te disait Rumiel, à savoir que ses jours ne sont plus en danger, ce qui est un réconfort considérable. Même si tu te rends compte que c'est vraiment pas passé loin. C'est-à-dire qu'il y a une part de toi non négligeable qui se demande à quel point c'est ta faute si elle est dans cet état. Parce que si t'étais pas parti à l'aventure, si t'avais fait plus attention, si tu t'étais pas cassé la gueule, si t'avais regardé où tu mettais les pieds, comme te disaient tes grands-parents, si t'avais écouté ce que te disaient tes compagnons, bref, ça fait beaucoup de si dont le résultat, c'est Ao ne serait pas dans cet état. Une fois que vous êtes réveillé, Aldaran jette sur la table devant vous un sac qui, en s'ouvrant, révèle un peu de pain
noir, donc du pain de seigle, avec quelques morceaux de fromage et de viande séchée. Il sort de sa besace une nouvelle outre, dont s'émane l'odeur d'une bière claire. Il vous invite à manger, car après il va devoir vous reconduire à la frontière des Hauts-des-Galgales. Il a été décidé qu'aucun de vous ne pouvait rester, à l'exception bien sûr de toi, Findulas. Toi, t'as un rapport à faire. Pour votre part, Otto, faire des rumilles, eh bien. Le capitaine a décrété que vous n'étiez coupable d'aucun crime dont les rôdeurs pourraient juger. En tant que tel, ils ne vont pas vous retenir prisonnier. Vous êtes libre de reprendre vos routes. Cependant, si vous deviez écouter les conseils du capitaine, celui-ci vous enjoindrait à ne pas reparaître à Bray. À Bray même, ni même dans les contrées. Si vous y avez des amis, des affaires à régler, tout cela, bien, c'est votre choix. Mais les rôdeurs ne peuvent pas vous protéger de la vindicte des gens de Bray. Ils ont trop à faire à protéger les gens de Bray des terreurs et des monstres qui arpentent les parties sauvages de ce monde. D'accord. Face à tes paroles, je vais prendre un petit peu. Je sais que les elfes ne mangent pas beaucoup. Je vais prendre juste une part de pain. Et je vais dire à mes compagnons que sur ces bonnes paroles, nos chemins se séparent et que je pars le plus vite possible retrouver les elfes pour rentrer. Ah mais attends, mais il fait nuit en plus. Ah non, c'est une mauvaise idée de marcher dans les Hauts-des-Galgales. Il fait nuit, là. Effectivement. Alors, ce que vous avez, c'est il va vous escorter jusqu'à la sortie, il va pas vous laisser partir seul. Ok. Bon, et rebelote, allez. Tout crame et reprend des sourds. À Jean-Guir. Ok, je vais le suivre. Quand il me ramènera à la route, ce sera là que nos adieux se feront. Et s'ils veulent me suivre, ils peuvent, hein, comme j'aurais proposé, ils peuvent venir avec moi, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je décline sans animosité, mais je dis que avec tout ce qui s'est passé, je vais rentrer chez moi. Bien. D'animosité les uns envers les autres, il n'y en a plus. Une fois la colère passée, vous savez que vous avez pas simplement, mais beaucoup joué de malchance, de décisions hâtives, de circonstances qui ne nous ont pas permis, mais au bout du compte et au bout du... Comment dire ? En définitive, la seule chose, la seule réalité tangible qui reste, c'est que aucun de vous ne croit désormais à un nous. Vous avez beaucoup voyagé ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, vous avez beaucoup arpenté le monde ensemble, mais ce sentiment d'une unité, de quelque chose de commun qui dépasserait vos différences, vos clivages, vos rivalités, vos dissensions, il n'est plus là. Ouais, chacun veut partir. Vous souhaitez le meilleur aux autres. Vous leur souhaitez une longue vie, de beaux voyages, de découvertes, mais vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus à ce que vous étiez. D'accord. Ouais. Je pense que Otto va faire ses adieux à Rumil parce que il a conscience que même si le groupe se délite, il reste valet et il lui reste une dette à payer. Et donc, où fait Arod va, il va. Donc, il sait qu'il ne pourra pas suivre Rémi. Bien. Est-ce que tu le dis clairement ou est-ce que tu... Comment dire ? Ou est-ce que tu te mets quelque part physiquement juste d'un côté ou tu dis bye-bye sans explication ? Je pense que c'est plus physiquement. C'est-à-dire que je pense qu'il s'approche du Rumil pour lui faire ses adieux, ce genre de choses. Et ensuite, il va s'installer à côté de Farod et il bouge. Dans ce cas-là, je me tourne vers toi et je te demande si tu es sûr de vouloir aller dans le Roran avec moi et pas retourner chez toi, dans la comté. Dans la comté. Ouais. Et Otto te regarde et te dit qu'il a une dette à honorer. Et qu'en plus, tant que les choses ne se sont pas tassées, il ne pourra pas retourner à la comté. À cause de son débile de frère.
Mais du coup, ça me va, on va dire, comme explication. Le fait que tu aies une double explication, entre guillemets, que ce soit pas juste je suis valet, je viens avec toi, mais aussi que tu te sens que tu puisses pas retourner dans la comté, ça me conforte dans l'idée que tu viens avec moi, quoi. Mm-hmm. Je te dis que tu seras le bienvenu dans le Rohan. Il te remercie. Mais juste une question logistique. Mm. Comment vous avez pas le matos? Du coup, pour faire un tel voyage, non? Non, c'est vrai. Vous n'avez rien, et le seul endroit où vous pourriez avoir du matériel, c'est effectivement Abré. Alors... En fait, c'est pour ça que je vous propose de passer chez moi, c'est parce que je sais que je peux vous donner le matériel nécessaire pour faire votre voyage. C'est pas pour rester chez moi. La meilleure manière d'avoir le matériel nécessaire, c'est encore de rentrer chez toi, Otto. Ou chez toi, Otto. Oui, mais nous, si on rentre chez moi, il faut piquer le matos, parce qu'on peut pas être vu. Disons que oui et non, c'est-à-dire que vous pouvez être vu, vous pouvez y aller si vous vous dépêchez. Si vous arrivez avant que l'information arrive à la comté, en particulier à l'ouest de la comté, parce que l'information circule pas vite, hein, rappelons-le. À ce moment-là, vous pourriez effectivement faire quelque chose, mais vous ne pourrez pas rester. C'est-à-dire que ce sera l'affaire de... Ado des Restrael, chez toi, c'est pas très loin, c'est 2, peut-être 3 jours de cavalcade. Mmh. D'accord, mais je pense que je propose ça alors, dans ce cas-là. Attends, de quoi on a besoin de toute façon? Parce que moi j'ai besoin d'armes. Toi t'as besoin d'armes, mais ça t'en trouveras pas à la comté. Voilà, c'est ce que j'allais dire. mais vous avez surtout besoin, vous avez besoin de victuailles, vous avez besoin de vêtements, ou même si ils te retrouveront pas, tu pourras assez facilement t'en faire, ou du moins récupérer un petit peu d'argent, ou échanger plus que de l'argent, qui te permettront d'en vendre plus bas. C'est-à-dire que, si je vous remets sur la carte de l'Arnor... Ouais. Hop là. Alors le temps que... Le dun-dun-dun est particulièrement à propos. si on met sur la carte de l'Arnor, donc vous trouvez, en gros, ici. Mm-hmm. Tu sais que si vous allez jusqu'à de là où tu es, jusqu'à chez Otto, qui est à peu près par ici, t'as 3, peut-être 4 jours de cavalcade à vitesse pleine terrestre. Alors ça sera pas discret, c'est-à-dire que les gens vous verront foncer à travers la comté. Mais personne pourra vous arrêter, ton cheval, il n'y a rien qui ressemble à la comté. Et tu sais qu'après, si vous prenez la Verte Voie, donc la grande route du sud qui est ici, il y a des communautés au long de cette route, notamment à partir de la croisée du fleuve Barandouin ici. Toute la région au nord du Miniriaf jusqu'à Tharbad, il y a des communautés. Il n'y a plus aucune grande ville comme il y en avait il y a encore quelques siècles, mais il y a des communautés pêcheurs, des petites communautés marchandes, des endroits où tu pourras travailler en vêtements, des endroits où tu pourras travailler en armes éventuellement, même si elles ne seront pas d'aussi bonne facture que ce qu'il y a au Rohan. Des endroits où tu pourras te refaire une provision. Et qui te permettront d'éviter de passer à Bray. Il faut autre chose qu'un couteau à viande de Hobbiton, quoi. C'est ça. Let's go. Moi, je vous propose juste de venir avec moi pour donner un prêt de matos nécessaire et puis vous repartez. Hein. Sachant que tu sais aussi que chez toi, c'est, mine de rien, relativement loin par rapport au Bourg. C'est que par rapport au Bourg, tu rabattes. Toi, chez toi, rappelons-le, c'est Mithlond, donc c'est ici. Tu rajoutes une bonne semaine. Parce que la seule raison pour laquelle ils peuvent arriver en 3 ou 4 jours ici, c'est s'ils sont à dos des Restrael. S'ils doivent accompagner des gens qui sont à pied, ce qui est ton cas, ça prend 2 semaines pour aller jusqu'à chez toi. Ouais, du coup, moi, il faut que j'essaye de retrouver plutôt la compagnie d'elfes pour rentrer avec eux. Ouais. Effectivement. Du coup, attends-nous. Vous suivez Albarad qui vous mène donc descendant dans la vallée, après que vous ayez récupéré le peu d'affaires qui vous reste, qui vous mène donc dans la vallée jusqu'en contrebas. Il vous montre un chemin sûr à travers les marécages que si vous aviez ne serait-ce que connu l'endroit, vous aurez certainement pu emprunter. Mais il est caché, il n'y a pas de marqueur qui désigne, simplement les rôdeurs de la région, on le leur enseigne dès leur plus jeune âge, dès leur arrivée à la garnison pour qu'ils le retiennent par cœur et qu'ils soient capables de naviguer même de nuit. Vous le franchissez, vous arrivez de l'autre côté à l'orée donc du chemin. Un peu plus loin, au nord, devant vous, en contrebas, au terme d'une longue pente, sous un soleil doré, dans les collines verdoyantes, s'étend la route qui mène, vous le savez, à l'ouest, jusqu'à Bray, jusqu'à la comté, et au-delà, jusqu'au Linden. Et encore au-delà, très très loin, au terme de la longue route droite, dit-on, jusqu'aux terres immortelles. Vous arrêtez un instant, il y a un silence, une gêne qui flotte sur la compagnie.
L'instant est venu, vous le savez. Le moment de se séparer. Féarod, tu es à dos d'Erestraël. Devant toi, tu as Otto, qui a, dans ses bras, étroitement serré et amoureusement protégé, sa loutre. Non loin de là, aux côtés de Haldaran, se tient Finduilas. Finduilas qui, dès que vous serez parti, se retournera vers l'intérieur des Galgal et vers un rapport auprès de son capitaine et un futur rempli d'incertitudes et certainement de bien d'autres combats, avec ou sans espoir, selon les circonstances, voués à la réussite ou à l'échec. Après tout, c'est aussi la bien triste réalité de ton peuple, c'est que vos victoires, du moins jusqu'au retour du roi, et ça, c'est dans un futur encore bien lointain que tu ne peux que rêver, vos victoires ne sont jamais que des manières d'endiguer la défaite. Et enfin, Rumil, tu te tiens non loin de là, à quelques pas à peine, un peu à l'écart de tes compagnons. Toi, tu sais que tu vas devoir aller retrouver des elfes, et il y a une part de toi aussi qui se doute que c'est très certainement la dernière fois que tu vois tes compagnons. Car après tout, ce n'est pas que tu n'as pas l'intention de les recroiser, mais ils sont mortels. Le temps passe à une de ces vitesses pour quelqu'un comme toi. Les saisons s'enchaînent sans véritablement s'en rendre compte. L'on se retourne, le temps d'un clin d'œil et un siècle de ce monde a passé. Les choses sont éphémères, en particulier dans le monde des mortels. Ces au revoir ont tout de même un sacré goût d'adieu pour tous. Quel dernier mot échangez-vous avant de vous séparer et de chacun prendre votre chemin? Vous étiez quand même de très bons compagnons, même avec tous ces soucis qu'on a eus récemment. Vous resterez à jamais ancré dans ma mémoire. Et j'espère que vous allez continuer à vivre heureux. Et surtout, j'espère que qu'on ne recroisera plus jamais de spectre. Un bon départ, arrêtez de chasser les poulets. C'est ça. Les poulets, c'est dangereux. C'était un honneur d'avoir pu faire équipe avec vous. C'est une belle compagnie et de belles aventures, mais je pense que les risques et la fatigue de toutes ces histoires nous a pas mené vers les meilleurs choix à la fin. Il est temps que chacun rentre chez soi et prenez soin de vous. Otto fait un gros câlin à Rumil, un gros câlin à Findulas, qui du coup va probablement partir dans le sens, j'imagine. Et il les prend à part l'une puis l'autre en leur expliquant que surtout, il ne faut pas qu'elles oublient de manger et qu'il sait bien qu'elles ont des habitudes bizarres, mais que vraiment, le deuxième petit déjeuner, c'est important, il ne faut pas perdre l'habitude. Enfin bref, il leur fait tout un sermon sur la nourriture, sur ce genre de choses, etc. Parce qu'il ne sait pas trop comment exprimer le fait que il tient à elle et du coup, il choisit son langage. Je te rends ton câlin et sur ton commentaire, je fais un gros sourire et je te tapote la tête et je te fais j'y penserai. Moi, je lui rends son câlin aussi. Et puis, je dis que je penserai à lui tous les seconds petits déjeuners que je prendrai. Otto est rassuré. Oui. Le jour commence à avoir complètement disparu. La dernière clarté du soleil s'est éteinte. Au-dessus de vous, il y a un ciel clair, des étoiles, la lune pâle, presque pleine, argentée comme à son habitude, toujours haut dans le ciel.
Et semble-t-il, alors que vous jetez un dernier regard vers l'horizon, une pluie d'étoiles filantes, un signe. De quoi ? Eh bien, si l'on en croit les rôdeurs, d'une naissance de quelque événement qui va être amené à changer le monde. Si l'on en croit les elfes, de la faveur de la Dame des Étoiles envers son peuple préféré. Si l'on en croit les hôtos, si on en croit les hôtos, les hobbits, faites un vœu et ça vous portera chance. Quant à toi, Féarod, eh bien, c'est le signe du temps du retour, il est temps de rentrer chez toi. Quant à savoir ce que tu vas y trouver, est-ce que tu y trouveras à nouveau cette terre déchirée par un roi avide et cupide et des nobles qui s'entretuent, ou une terre marquée par l'approche de l'espoir, ça, bien, ça c'est ce qui se trouve au terme du voyage, et tu ne sais pas encore, mais quelle que soit la situation, le temps est venu. Vous jetez un dernier regard, puis lentement, chacun se tourne vers sa route. D'abord lent, puis de plus en plus rapide, le bruit des sabots des Restraels qui frappent le pavé de la route s'éloigne à grande vitesse en direction de l'ouest. Rumil disparaît rapidement dans les arbres, une ombre parmi les ombres. Finduilas, tu observes la nuit. Seul désormais. Seul comme, eh bien, seul comme le sont toujours les rôdeurs. Votre lutte est une lutte solitaire, clandestine, secrète. Mais ce n'est pas pour la reconnaissance que vous le faites. C'est parce que c'est juste. On ne lutte pas pour être remercié. On lutte parce qu'il le faut. Pour que l'espoir perdure et que la flamme survive à la longue nuit. Sur ces mots prend fin votre aventure. Oh. Pardon. Nous allons souhaiter une bonne nuit au stream, mettant fin donc à la session ici, et ensuite nous retrouver à nouveau entre nous pour faire un petit bilan de cette aventure et préparer la suite, car si les aventures d'Otto, de Féarod, de Finduelas et de Rumil s'achèvent dans cette nuit étoilée, les aventures de nos joueuses et de notre joueur, elles, sont bien loin d'être achevées. Nous les retrouverons prochainement pour, eh bien, de nouvelles épopées, une nouvelle contrée, de nouveaux personnages peut-être, bref, pour la suite de la vaste aventure de la Terre du Milieu. Bonne nuit à vous qui êtes sur le stream, merci d'avoir suivi, et on vous retrouve très bientôt sur le Royaume du Bayou. À bientôt. Bye bye.